do a short overview of today. Slides would be in English mostly, and you can speak in French or English, I think. Jenny can follow slides in English and French talk. Hill is maybe less easy in French, but I think with slides in English, you so the idea of this workshop was to have an overview of some results we got from this summer. It was a challenging task to monitor sperm well from a surface vehicle. So Gianni participated, Marion, Maxence, Yann, I, and people from Laval in Mayenne, north of France, will arrive maybe in the way. And due to these results, we wanted to also provide more around this topic to monitor sounds and biosonars. And to show also some material we now use, material we built regarding some hydrophone that I brought one of the hydrophone we told about. These are the new, but 1 CR3. This is a very high frequency, large bandwidth frequency hydrophone, quite cheap. It's only 1,000 for a bandwidth up to 250 kHz. Yeah. And I think this would allow great monitoring even for these high frequency species we told about. And this recording stuff are going high enough to allow on the field this kind of high frequency recording. So I think it's a new edge, because for low price we offer high frequency monitoring. So we can monitor new definition of whales or cetaceans emissions. So we talk about these kind of things. This was some systems we put in Chile. This is a new design, short basement with stereophony and 2 weeks recording. This has been used in Corsica last summer and will be again in April. And this is the antenna we will discuss more, which was fixed under the keel of the surface vehicle, using this same car. So the tubes can be up to 1 month of power with simple batteries. And I wanted to recall shortly that monitoring in stereophony at least gives much more information than what we had before, maybe. This is an example with a sonoboy we have south of Port-Croix with a stereophonic display. There are one and two hydrophone. And then we have nice time delays of arrival. So you will hear a lot about time delays of arrival today. So to be clear, the time delay of arrival is simply the time delay of arrival. Okay? It's the difference of the time of arrival between the two hydrophone. So if the time delay of arrival is null, it means the source is in the median plan between the two hydrophones. And otherwise, this is left or right. Here you have the time delay of arrival curve from a sperm whale that has been south of Port-Croix in 2016. And you see a nice arctangent curve, which it is the one that we should have with a mobile going east to west in front of the antenna. So this is not post-process, it's only the detections we got from this stereo antenna. And doing so during 80 days, we can count whales going one way or the other. The red is one way, west-east, I think, and the blue is west-east. And the green is undetermined
direction was the way cross north-south or south-north. But we have new patterns of the crossing of the whales south of the coast, and this is important because it shows that they don't have systematic travel. They just turn around. If you analyze more this distribution in detail, it shows whales are just turning around and they forage. And what we will see later is an example of foraging in this area. And I wanted to see also with you shortly what we can do with clustering on songs, because we talk about songs and clicks. So we just before had an example with what we do with clicks from Spermoir, and here we will have an example from Poupard Master. We had recorded the activity, the whistles of Atenuata, Stenella Atenuata in Martinique, and Marion took notes about 5 different behaviors: resting, hunting, socializing, motion, and behavior in anthropized conditions with a lot of boats around, and taking time frequency extraction of the whistles. Here is the time frequency representation. This is the extraction of these whistles with the automatic system we have. You get features, and if you cluster the features, and here is a two-dimension view of this cluster, and you look at which behavior is associated, each voicing, each dot is a voicing, each color is a behavior, then you see that the yellow dots, which are the anthropized high pressure boat presence, are all together, and this is showing that whistles are different when boats are present, and that we can have nice classes of this kind of whistles demonstrating this change of behavior. So just we had a before example of what we get from sonar of sperm whales. Here this is what we get in terms of behavior for whistles of dolphins. And this is another example about the song whistles of humpback whale. So we have methods to cluster the humpback whale songs. This is the time frequency representation of the humpback whale song. And this is the automatic decomposition in units of this song. The system clustered 6 units. This is giving the activity of each unit from 1 to 6 in time. And it is like a score of this song. But today we have other discussions with Mercado. Maybe you know Mercado? Yeah. In Buffalo, yeah. We have other discussions last week in ASA, for example, or from 3 years. We are many to think that there is more than a song in humpback whales emissions. There is maybe also a sonar. So clicks for most of the cetaceans are used to echolocate, and it's a biosonar. But maybe the songs of humpback whales contain also sonar information. And this is due to some analogy of bats with bat sonar. So here you have a click train or a pulse train of humpback whales, and they modulate in amplitude, in frequency. Here you have a peak train of bats sonar, and there is some regularities in the emissions, and we also have a nice variation in terms of frequency center. Here you have humpback whale units center in this frequency, and then getting up and again. And here is a variation in the chirp of the bat. We have chirps in the humpback whale. So Mercado has published a nice paper last summer showing good analogy and
maybe the showing that the humpback whale would get information of position of other whales at more than 5 kilometers, according to this series of chirps in their song. And if you have multiple singers together, Mercado shown that they are getting synchronized, not to overlap, not to destroy their information they get from the echoes of their pulses. So it's not yet a demonstration, a formal demonstration, but we have a lot of cues that are interesting to look in detail, and we may discuss of this conjunction or joint properties of sound and sonar. Maybe we'll ask you some of your thoughts about this later, but there is maybe not a strict limit between sound and sonar. This is the point. And we will talk about annotations and tools we have to assess some data set and then to run classification automatically of this sound. So this is things we did a few years ago on some mixed set songs with deep learning, and this is other things we did on high performance computer for hundreds of years of data that we processed in a few weeks with Cornell, and we got a few places and including seismic air guns, sperm whales, right whales, breeds, fin whales, mink whales. And so we know that we have a solution, not solutions, definitive solutions, but there is good reason to think that we can process at large scale this classification of sounds and sonars. And so this is the topic of today. We will start with Gianni, who will recall us marine soundscape and scope of underwater acoustic monitoring. Then Marion Perrache will present Pelagos studies, and Jeffrey will discuss some project he opens in Caribbeans, and he will ask questions to us. So after his talk and at the end of the day, we can discuss some of these questions. After the coffee break, we'll have Maëlys from Acobans, and she will show a noise issue in Acobans studies. Then the Suirna study will be given by Fabien from Citroën in Mayenne. This is the surface vehicle we use this summer. Marion Poupard and I, mostly I, because she has some eye troubles, and she will give me her voice to me, I will say. We'll present results on the Suirna. And after the lunch break, where you are welcome, we will go just walking 5 minutes in the restaurant below. We will have Valentin Barchaz presenting material from the technique platform we have here. And then Yann will present bird species identification, songs identification, jointly with metadata. So this kind of model are easily applied to well songs. This is a generic approach. Then Maxence will present autoencoder, another deep learning system to cluster transients of cetaceans, but could be other transients. And we are quite happy that the challenge we opened using stereophonic inputs in autoencoder, which has not been done yet, is a success. He will tell us if it's a success or not. But I think it's a good way. We have more information, and the clustering is more accurate. And then Adeline Paiman will join us in the afternoon to present us perspectives in using satellite images and deep learning to detect automatically in these images the presence of cetaceans from satellite image. So it's a new project we opened with her. There is few evidences. We can monitor whales from space, but still we need a
structural detection, so the plumbing can help there. And after the coffee break, we get into the results we have on songs of blue whale in monohydrophone localization and in the study of their decreasing frequency. And then Jan will conclude with a large-scale survey on recording that we ran for a specific event in north of Canada, but that is also useful for any kind of long-term recording. He succeeded to run 1 month and a half of recording in 4 hours for detection of visitor. So it's a very efficient way using GPU, graphical process units. Okay, so now I shall give time to Jenny. If I can open this. And of course, it's an open workshop. You shall interrupt everyone asking questions. And I hope we have good ideas of It's not visible on screen yet. Yeah. No, okay, no, that's not a problem. Okay, my presentation is a short introduction to marine soundscapes. In bioacoustics, we are often focusing on specific locations or specific or some species we are interested in. But while studying marine soundscapes, we can have a very global view of the acoustic world we can have underwater. And of course, we are mostly interested in marine mammals, and I think it is important a preliminary comment about the problem of the interactions among human acoustic activities and marine mammals. Marine mammals and all the other creatures of the sea have evolved in an environment with very specific acoustic features, but with the Industrial Revolution, we changed completely their acoustic world, and we modified, and we still modify, and we increase in modifying the acoustic environment in which these animals live. And the sounds they use are essential for their life. So if we modify their acoustic environment, we may have an impact at very different levels, at individual level, population level, and the species level. And at present, we have many demonstrations that the noise produced by human activities increases a lot the level of the background noise in marine environment. And it's very important to consider that the marine soundscapes, as the terrestrial soundscape are a key part of the marine ecosystem, and thus marine soundscapes must be studied, monitored, managed, conserved, and also restored whenever necessary. So we strongly need to regulate underwater noise to preserve marine life. So the soundscape is usually considered as composed by the geophony, that is the noise produced by physical events in the environment, like in the sea, the currents, rain and wind, the waves, and the seismic activities of the sea floor. Then we have a very important component that is called biophony, that is produced by all living organisms, like crustaceans, fishes, turtles, marine mammals. And each category produces sounds in different frequency bands with different propagation in the sea, so they may affect only, in some cases, only very local, only locally the properties of the acoustic environment. In other cases, their sound can propagate for hundreds or thousands of kilometers.
And then we have the anthropophony, but it is more precise to talk about the technophony. And this is all the noises produced by human activities. And to this belongs all the problems we know about the impact of noise on marine mammals. So we may distinguish between acute, short-term, and localized noise, like noises produced by sonars, air guns, pipe drivers, explosions, and so on. And also we have to consider the continuous, diffuse, low-frequency noise that may not have lethal effects on direct lethal effects on the animals, but that may have a strong impact on their life. And so we have to talk about the impact of the ship traffic, but also to talk about the problems of the vibrations propagating from the coastlines and propagating from air gun surveys that may take place in many times in different places and that can propagate their effects over hundreds of kilometers. So we need to study the marine soundscape, we need a multi-scale approach for both the problems related to biophony, I mean the study of the marine mammals, for example, of the sounds produced by the fishes, and concerned with the study of the noise and the monitoring of the noise. So we may have problems related to the study of very short times, and in these cases, the recordings can be easily managed by a single researcher for the analysis, interpretation of the data, and so on. But depending on the instruments we use and on the logistics we use, we may have a recording extending continuously for days, for months, and even for years. And this requires very specific software for big data processing. And this is why there is a developing new discipline that is called computational bioacoustics that is really concerned with the development of software, but also instruments for data acquisition, data analysis, and data interpretation. So depending on the instruments we use, we can have different types of results, different types and different quantities of data we can collect. A single researcher with a single hydrophone can record for some hours from a stationary boat, so it's not a big problem, but when we start thinking at large area surveys, for example, with ships towing hydrophones, and in particular towed hydrophones, we may collect huge amount of data, maybe for days or weeks. But now we have other instruments that can be used. The gliders, for example, to perform acoustic surveys in delimited areas. But we can also have permanent seafloor networks of sensors, in some cases cabled to the shore, to collect continuously the data day by day for months and years. But we can also have individual instruments to be placed on the seafloor around the world to collect data for periods ranging from few weeks to many months. And each type of instrumentation, of course, has its own problems related to the hardware, to the deployment, to the recovery, but also related to the amount of data and quality of data to be produced. And of course, now we have also, and you see a presentation of LADA during the day, autonomous surface vehicles that are able to collect data continuously for days. So if you look at very small pieces of time, maybe seconds or hundreds of milliseconds, we can detect individual sounds. We can have very accurate measures. For example, with sperm whales, we can detect their presence, their movement. We can track their movements and discover the size of the animals. But in this case, we need to go down to a few milliseconds of time resolution to have the data we need. But if we collect long-term data, like in this example on the coast of Australia, we can have a multi-temporal view. So in a very condensed view, the strip in the middle, it is covering 20,
21 days of recordings, and the spectrograms is a collapsed view of all the acoustic data, so we can't have the details, but we can see clusters of different acoustic objects that have special features, so we can detect each block of acoustic data, and then we can expand to zoom in it to look to the details, and then we can discover different types of acoustic sources. For example, on the bottom, on the right, the noise of a passing ship, or on the left, two thin waves that do a thing synchronized, or we can see blue waves or even fish choruses, and also humpback waves. So in a very complex environment with recording instruments that can collect sound from many miles of distance, in some cases from hundreds of kilometers, we can have a very complex picture, and we need to work at different time scales to discover all the details or to get global information. For example, in this case, all the data has been summarized in a very simple plot to show the time occurrence of different sound categories. So we can discover that fishes do produce sounds, for example, for their reproduction only in a specific period, or we can discover that humpback whales go through a specific area only in a given period, or other species maybe are present all over the year, and so on. So we can start thinking about not only the daily presence of the animals in a specific location, but we can also study their seasonal movements and so on. And these seasonal movements can be correlated with the weather conditions, can be correlated with the availability of food, can be correlated with their behavior, their, for example, for their reproductive periods and so on. So by analyzing big sets of data, we can extract very simple data like this to have more information about the presence and behavior of the animals. And also, if we have information about the impacts produced by human activities, we can also try to correlate the presence of the animals or their behavior with the human activities. And in this case, I just show more or less 1 year of data about the sperm whales in the Gulf of Catania. This work was made 14 years ago. So it was a very pioneeristic work in which we tried to collect data day by day to discover the presence of sperm whales and to map their presence according to time. We had many hardware failures. The red lines means that the instruments were not working, but in any case, we were able to demonstrate that animals are there almost every day. So it was a completely new information. You know, sperm whales are often difficult to detect. The classical information, the available information at that time was that animals were very rare there. On the contrary, we demonstrated with a permanent installation on the seafloor that animals are there almost every day. So the analysis of marine soundscapes, and I mean with soundscape, the analysis of the whole acoustic data that can be collected underwater can give very, very important and new information. And here another example of compact view over a long period of time, and by collapsing together all the spectra, it is possible, without any information about the time or about when the sounds occurred, we can see how the spectra can show the presence of different sources. So we can recognize, only looking at the compact spectra or average spectra over a long period of time, we can recognize the general shape of ship noise, traffic, or we can recognize the presence of humpback whales, or the presence of pygmy whales, or the peaks related with fish activity, and so on. So with this view, we can then focus on specific frequency ranges to discover the periods
in which the sounds occurred and to zoom in into those periods to have the details of the sound production. And here another example of long-term analysis, very long-term analysis, many years of data, that show a shifting of the frequencies used by Antarctic blue whales. So we can see that in 8 years, they lowered their main frequency, and we don't know why. So we have to understand why they lowered the frequency. There is a case on interesting soundscapes where birds try to sing at higher frequencies when they live in a noisy environment. And for example, some birds that do sing in urban areas have higher frequencies to be above the low frequency noise of the traffic. Maybe these animals try to go lower because maybe they can have more propagation, or maybe because at higher frequency there is too much noise. So we have to learn and to understand why this is happening. On the contrary, we can see that fin whales did remain stable during the same years. So now I have to talk a bit about the noise, that is a very important problem, because the noise, according to the level and the duration of the exposure, can produce temporary or permanent hearing loss or impairment in the animals, even the death of the animals if the animals are too close to a high power source. So they can get damage to the lungs, they can have hemorrhages, they can have embolies, so they can have lethal trauma. But even at not lethal levels, the noise can produce many traumatic effects on these animals. First, the noise can produce the masking of the signals, and this may produce the disruption of feeding, breathing, napsing, and the acoustic communication, but also the noise reduces the ability of these animals to sense the environment. They use sounds not only to communicate, but also to sense the environment, to get information from the environment by listening to the sounds of the environment. And then we have also to consider that noise, as it happens in humans and in terrestrial animals, can produce psychological and physiological stress. For example, with the production of cortisol, that is the hormone of stress that may produce hypertension and all the damages related with hypertension. So we can distinguish between acute and localized noise that can be in some way managed and controlled and reduced. And most industrial activities that produce noise now implement mitigation rules to reduce their impact. So there is a trend in reducing the impact of this type of noise. But there is another type of noise, that is the diffuse noise on very large distances, that is difficult to manage. For example, in this case, we see the spectrogram of airgun passes recorded at 400 kilometers of distance. These recordings was made on the coast of Sicily, and the seismic survey was on the coast of Greece. So the noise, in particular the low frequency noise that can propagate over miles and miles, can't be confined into national boundaries, of course. So we need to work on international agreements to reduce all types of noise that can have the potential to propagate over very large distances. And there is another paper, and I don't have the image here, that demonstrates that in the Atlantic Ocean,
it is possible to record the gun noise produced by many different seismic surveys taking place in different parts of North American coast, or on the European coast, or on the African coast. So air gun surveys have a double face of being a strong source of noise that can be lethal in short range, and it can be lethal not only for marine mammals but also for fishes and vertebrates, and we have to take into account also this problem. But the seismic surveys have the potential to produce noise propagating over hundreds of miles, and thus the potential to mask, for example, the signals of the Berlin waves arriving in larger areas. And here an example of marine soundscape affected by human noises. I don't have the sounds, unfortunately, but here you see a military sonar high frequency at about 5 kHz, recorded in the Gurian Sea, but produced and emitted by a French ship not visible on the horizon. So this means that we can have sounds coming from very far distances. This line is the noise produced by the turbines of a fast ferry. And these are pulses produced by construction works on the coast at 40 miles of distance, that is about 70 kilometers. So in the marine environment, we can have many different sounds that come from human activities, even on the coast or at larger distance. And the ship traffic is another big concern we have. This is the map of the density of the ship tracks, and you see that the North Hemisphere is greatly affected by a huge ship traffic. This can be translated with models into a distribution of noise. Red means noise levels up to 100 dB, that is quite high. And this map shows that the low frequency noise pollution produced by ship traffic is a worldwide problem, but more focused and concentrated on the North Hemisphere. This is the density of ship traffic around the coast of Italy. So there are areas where there is less traffic and probably less noise. We need to use models to map the noise of the ship traffic, but there are other parts that have a high density of ship traffic, like in the Sicilian Channel here, and also in the Ligurian Sea, that is the sanctuary of cetaceans, but is also the sanctuary of ships. And this has been published in a recent paper. This is the noise we have in the Gulf of Catania, 25 kilometers from the coast, measured at 2,000 meters of depth. And these are the winds cubes that show more or less the level and broad band features of ship traffic. But we see that in the Gulf of Catania, we have an average level that is always close or a bit higher than 100 dB, with peaks up to 130 dB at 2,000 meters of depth. And this might have a strong impact on all the animals that use low frequencies for communicating or for detecting environmental features. And here now we have a demonstration of the masking of this noise on fin whale sounds.
In this case, we have the comparison of the diffuse noise over one day. This is 24 hours. So we have a compact view of the noise levels in the range from 0 to 250 dB. This is the sea of Cortes. We see that the average level is around, ranging from 70 to 80 dB. That is very close to what we expect to have in a very quiet environment. And this is the Ligurian Sea, with levels that on average are above 90 dB, but often go up to 110 dB, this level of color. So the Ligurian Sea appears to be 30 to 40 dB more noisy than the Sea of Cortes. And this type of background noise may have a very dramatic impact on the ability of marine animals to communicate and to sense the environment around them. And you have to think that any 6 dB increase in the noise, in the background noise, means halving the detection range of the animals. And the model produced again by Christopher Clark shows that this one is the communication range of blue whales before the Industrial Revolution, and this one is the current range that is so much reduced because of the increase of the level of communication. And the noise can mask the signals, can produce stress, can produce behavioral disruption, and can have an impact at both individual, population, and species level. If the animals can't communicate to coordinate their activities or to think together to reproduce, the impact is not only at individual level, but it becomes an impact at population and species level. So this is a very quiet place in the Mediterranean. It is in the middle of the Tyrrhenian Sea, where we have the lowest level, the lowest density of ship traffic. This is a measure made by the Italian Navy, and we see that the levels are below 80 dB, that are close to the Sea of Cortes, more or less. On the contrary, in the Ligurian Sea, we get levels at this position, that means more than 100 dB. And in the Gulf of Catania, we get levels at the top of the graph, at 110 and 120 dB. So there is a big difference between quiet places and noisy places in the Mediterranean Sea. And it is very important to develop and to any possible strategy to reduce the impact of noise, in particular from ships. And here an example of a quiet hour, a quiet frame with in the Gulf of Catania, and these are the pulses of fin whales. The noise scale is not calibrated, so the black is not 36 dB, but it's much more, of course, but the scale is not calibrated. In any case, you see the contrast between this image over quiet frame and this image that shows a passing ship that completely covers all the sounds produced by fin whales. Two other examples of different ship noises that completely mask the signals of fin whales. And the masking of the sounds emitted by fin whales has an impact not only on the animals, but also has an impact on our research. Because in most of the time, we can't detect the fin whales because there is too much noise.
here images of passing ships. This is a daily spectrogram, just one day compacted, to show the impact of individual ships, but many other ships can be detected by their noise. And by using the ice tracking, it was possible to link each ship to a noise level. And with a system like this, it is possible to have a measure of each individual ship passing close to a calibrated hydrophone. So it is possible to have the IS tracks. It's possible to link the noise to a ship, and in future, when it will be possible to have a legislation, for example, to avoid the passage of specific ships because of their noise, it will be possible to monitor the ships and say, take care, that ship is too noisy for that area. And this could be important, for example, in the protected areas, in the Pelagos Sanctuary. Maybe in future we can have a legislation to limit the passage of ships that are too noisy in specific areas. And to conclude, the models are also very important, because by using models, it is possible to monitor and to modelize the noise propagated by each ship according to its source level. But it is possible also to simulate the effect of the noise reduction on each ship. So it is possible to evaluate the noise in the whole basin with the rare ships or with noise-reduced ships, with simulated noise-reduced ships, to evaluate the possible effects on the overall noise situation. And this is also important to note that the models show the very strong influence of the environment. In this case, in the Ligurian Sea, we have deep waters with sound propagation like this, and that's why we see these circles around the ship. So we may have peaks of noise far from the ships, not close to the ships. This is a completely different situation in the English Channel, very shallow waters. The noise remain concentrated close to the ship and don't go up again at a distance. So we have more noise, but closer to the ships. And this is also to demonstrate that the marine soundscape is strongly influenced by ship traffic, and not only by animals or by acute, localized source of noises. So shipping is the biggest contributor to diffuse a continuous background noise in our oceans. And to conclude, I would like to underline that we are often focused and concerned only about marine mammals, but we have to think and consider that noise has a strong effect on all marine creatures. And for example, air gas, it's not completely demonstrated, but air gas have a strong impact on fishes and invertebrates and on their reproduction. So every type of noise in the marine environment can have an impact. And of course, we never express concern for fishes and invertebrates. We don't have any ethical concern about them, but they are important in the food network. And damages to invertebrates and to fishes also have an impact on marine mammals. So we have to consider that everything is linked in an ecosystem, and any impact can have an additional impact on other components of the ecosystem. And I think was the last one. Yes, I thank you for your attention. And I hope that this broad overview about the soundscape
can be an occasion to start some discussion. Thank you, Kenny. Thank you, and we have time for questions now. If you have something to add, otherwise we can have them afterwards. I'm actually in the coffee break. So I think, Marion, if you can. Bonjour à tous, je suis désolée, mais je vais le faire en français. Donc, d'une part, merci de nous avoir invités à ce séminaire. C'est avec grand plaisir qu'on peut essayer de discuter ensemble des enjeux que nous avons. Et Jenny vient d'en parler assez largement, surtout tous les enjeux que l'acoustique peut représenter. Sur des territoires qui veulent être protégés, en tout cas qui ont vocation à protéger les mammifères marins, mais pas uniquement les mammifères marins. Donc je vais vous parler rapidement de tout ce qui a déjà été fait au niveau acoustique sur notre territoire. Donc, le sanctuaire Pélagos pour les mammifères marins est un accord international entre la France, Monaco et l'Italie. C'est donc le territoire en bleu sur la carte qui comprend la Corse, donc qui est assez vaste. Et comme il est international, nous n'avons pas forcément la possibilité de travailler de concert entre les trois pays toujours facilement. L'animation de la partie française du sanctuaire a été confiée au Parc national de Port-Pro en 2000. Et c'est donc naturellement que le site du Parc national de Port-Pro se retrouve une aire finalement pilote pour le déploiement ou les essais d'expérience. Notamment sur l'acoustique. Donc, le territoire du parc national est à deux pas d'ici, donc ça part Toulon et juste à l'ouest. Là, nous sommes à la gare. Donc, je sais pas si... Ici, nous sommes ici à la gare. Donc, le territoire du parc comprend l'ensemble de la maritime ici, avec les deux îles, Porquerolles et Port-Pro, qui sont les deux cœurs de parc, donc des zones un peu plus protégé que le reste du territoire. Les espèces qui fréquentent le sanctuaire Pélagos et plus particulièrement le parc national sont un petit peu celles que vous pouvez voir partout en Méditerranée. Donc évidemment le cachalot, les rorquals, je ne sais pas, les rorquals, les baleines à bec qui sont tout de même beaucoup plus rares et beaucoup plus discrètes. Les globicéphales, les grampus, les dauphins-risseaux, qui sont également assez rares, on a peu d'observations visuelles, mais on en a aussi qui sont présents sur la mer. Les grands dauphins, évidemment, qui eux sont très présents et très courants, les dauphins bleus blancs, évidemment. Et les dauphins communs, qui ne le sont plus vraiment, qui ont disparu des côtes depuis un petit moment, mais qui commencent à revenir progressivement, on commence à avoir des observations. Vous remarquerez qu'ici, voilà, le pool de dauphins, de petits dauphins, constitue un enjeu particulier au niveau de l'acoustique, puisque l'intérêt serait justement de différencier ces trois espèces et de valider leur présence sur notre territoire. Au niveau des soutiens de Pélagos et du parc pour l'acoustique, on a différentes études. Gianni a présenté tout à l'heure l'ambiance acoustique dans le sanctuaire Pélagos que nous avions réaliser avec Ciné. La COVAX également travaille beaucoup avec Ciné. Mais nous avons d'autres études qui ont été menées sous l'égide de Pélagos et qui ont permis d'y voir un peu plus clair sur effectivement les impacts possibles et sur la capacité d'un gestionnaire comme le sanctuaire Pélagos à intervenir ou à proposer des mesures de conservation ou des mesures de mitigation.
Les différentes études ici sont celles menées par, par Alvé, donc je le laisserai en parler peut-être plus longuement après. Le partenariat a commencé depuis les années 2010 avec Hervé et nous sommes très contents de pouvoir participer à ces études. Parmi les projets, il y a le projet dédié aux grands dauphins, aux Turtiops, qui était un projet sur la façade méditerranéenne, incluant la Corse, où le site du parc national a été un site pilote effectivement sur l'acoustique. Donc, nous avons été équipés de 3 hydrophones DRT6. Nous en avions 2, un au nord et un au sud de Porco, et un dernier sur Porquerolles, mais qui n'a pas pu être exploité. Les résultats ont permis de montrer qu'on avait une fréquentation évidemment de dauphins, comme on s'y attendait. Là, c'est uniquement des résultats sur une petite partie de la période d'enregistrement. Et comme Yanni le présentait tout à l'heure, nous avons vraiment pu observer une répartition horaire, le partage finalement temporel de la zone entre les activités, en tout cas l'activité acoustique des dauphins, et l'activité plus humaine. Donc ce sont des bateaux qui sont présents sur la zone avec évidemment beaucoup de bateaux de passagers et de bateaux de plaisance. Donc ces deux années d'enregistrement 2014 et 2015 ont permis non seulement de valider la présence des dauphins donc sur des périodes plutôt nocturnes, mais surtout de montrer qu'il y avait possiblement un masquage ou un recouvrement des activités entre la présence humaine fortement importante l'été particulièrement et la présence des dauphins, l'exploitation de la zone par les dauphins. Donc, comme je vous disais, la fréquentation était plutôt des dauphins, évidemment, était plutôt regroupée à la fin de l'hiver et au début du printemps, avec une forte concentration de présence en février-mars pour l'année 2015, et une activité particulièrement nocturne. On ne sait pas si c'est le masquage de l'activité humaine qui a empêché les vocalisations des dauphins, ou si les dauphins étaient absents de la zone. On s'est aperçu également avec des enregistrements simultanés que la zone sud de Port-Pro était plus opérationnelle pour enregistrer les dauphins. En tout cas, il y avait plus de contacts au sud de l'île. Et il a pu être mis en évidence que, d'après l'acoustique qui a été analysée, que les interactions sociales étaient importantes, mais qu'on était sur des durées très très courtes, des passages très courts des groupes. Et donc on avait uniquement du trafic, du passage de groupes et peu de résidences. Globalement, comme je disais, ce projet a eu lieu sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française, mais la zone du parc, qui est donc cette zone-là, ici vous avez la limite du sanctuaire Pélagos, la zone ici des îles d'Hier a été, grâce aussi à ce suivi acoustique, mise en lumière comme site important pour les grands dauphins, puisque c'est une zone non seulement de reproduction, grâce aux observations visuelles, les petits ont été observés. Une estimation de la population a pu être proposée sur cette zone de Provence, c'est un peu plus large, et l'acoustique a permis donc de valider complètement l'importance de cette zone. Donc, au-delà du sanctuaire, le parc reste un site d'expérimentation qui est très intéressant puisqu'il est très fréquenté. Un autre suivi que nous avons mis en œuvre avec Hervé, c'est un suivi propre au parc national de Porto avec l'acquisition d'hydrophones embarqués pour pouvoir faire le tour des îles ici sur des transects fixes avec des points d'écoute. C'était un protocole qui était censé être réalisé mensuellement. Mais nous avons des difficultés à mettre en œuvre ce protocole de par les conditions météo ou la disponibilité des agents. Vous avez une vidéo sur YouTube pour voir un petit peu comment ça fonctionne et comment on arrive à faire des observations et visuelles et acoustiques. Ça, c'est le type de suivi qui sont très intéressants pour les gestionnaires d'un marine protégé. Donc, nous sommes un site pilote une fois de plus pour pouvoir essayer d'étendre
ce protocole simple à mettre en œuvre avec des outils peu chers, peu onéreux, Hervé vous en parlera tout à l'heure, avec une grande autonomie d'exécution. Bon, malheureusement, nous n'y arrivons pas, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pérenne et de réussir à acquérir le maximum d'informations sur la durée. Je peux rajouter que... Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est peut-être à la diapo suivante, c'est que la bouée dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi dans la diapo suivante, qui est le point rouge, je crois. Elle n'est pas loin de là. Profite, ou profitera ou doit profiter, parce qu'il y a des données quand même déjà acquises, de ces transects, puisqu'on a des mesures à 10 000 à peu près de la bouée, qui sont datées, synchrones avec les mesures de la bouée. Donc ça nous permet de vérifier les rayons, les distances de détection à partir de la bouée de certains événements, type dauphin, cachalot, qui sont contactés depuis le transect ou depuis la bouée, ou bien que depuis le transect. Donc ça nous donne des mesures de calibration à court terme de la bouée. Donc c'est très important, on va en parler de votre politique sur ce protocole-là, et puis aussi le protocole de Gombrich dont je vais vous parler un peu plus. Pour préciser néanmoins, l'île du Levant qui est ici est une île à 90% militaire, qui est un centre d'essai de la Marine nationale et qui du coup établit des contraintes en termes d'enregistrement acoustique pour notre territoire. C'est factuel hein, ce que je dis. Ce qui fait que ce suivi sur Porquerolles est plus facile à mettre en œuvre que celui-ci, puisque nous sommes vraiment tout autour d'une zone militaire, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est ce que disait Hervé sur Gombrich, donc tu l'as présenté tout à l'heure, avec les deux hydrophones immergés, qui sont donc situés ici, à peu près, d'où la concordance et la cohérence des deux suivis, qui permettent de valider et surtout implémenter. Je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas compétente, mais grâce à ces enregistrements, Hervé a pu présenter, tu l'as présenté tout à l'heure, j'ai mis la même graphie, aller vers de la trajectographie et évidemment ce qu'il a fait depuis longtemps, estimer les tailles des cachalots qu'il a pu contacter. Dans le cadre de différents projets, on a donc bien validé la présence de cachalots sur notre zone, en grand nombre et de façon très fréquente, et toute l'année. Ce qui n'était pas encore su, puisque les campagnes d'observation avaient lieu principalement au printemps jusqu'à l'automne, et l'hiver, les conditions météorologiques sont défavorables, donc on n'avait pas d'observation de cachalots d'hiver. Ce travail a permis de mettre en évidence la présence des cachalots tout au long de l'année sur notre territoire. En revanche, l'enjeu, le challenge, on va dire, local, c'est de trouver la... confirmer la présence de Ziphus sur notre zone. Nous savons qu'il y en a. Ils ont été observés de façon très très exceptionnelle et on aimerait pouvoir les détecter. C'est un beau challenge. Je ne veux pas déflorer Hervé, je ne sais pas si tu as prévu ta présentation à côté. Non, non. Je continue, et, sachant que tu l'as déjà présenté. Ça, on en a déjà un peu parlé. Voilà. Donc ça c'est le territoire du parc avec la bouée effectivement qui est par ici et vous voyez que tout par rapport à la topographie du site, on est vraiment le long du talus, là où les cachalots passent principalement pour se nourrir et pour transiter entre l'est et l'ouest, et c'est ce que Hervé vous a présenté tout à l'heure sur les différents enregistrements qui ont permis d'établir les trajectographies est en est-ouest grâce aux deux hydrophones de Moïse, et de valider ces exemples avec parfois les enregistrements du parc. Alors globalement, et je m'arrêterai là, les besoins du sanctuaire autant que du parc national sont évidemment d'aller plus loin dans la définition spécifique des enregistrements entre le cachalot qui est bien identifié, pour tout ce qui est dauphin, et peut-être des finouettes des rorquals, on pourrait aller peut-être plus loin pour essayer d'établir vraiment une cartographie de distribution saisonnière et peut-être au-delà du parc national de Porquerolles dans le sanctuaire, ça, ce serait vraiment très très bien pour pouvoir avoir un suivi récurrent, et là on va
vraiment discuter des moyens et des possibilités de déploiement de matériel, donc les hydrophones fixes, les hydrophones embarqués, les hydrophones autonomes dont on parlera après. Ça, ce sont les besoins de base pour les gestionnaires. La possibilité de comparer avec les observations réalisées sur le terrain par les ONG ou par les gestionnaires, de pouvoir coupler vraiment les comportements avec les vocalises acoustiques, pouvoir aller plus loin dans la définition du stress éventuellement, ou comme le présentait Hervé, sur la présence de bateaux, d'un trafic important qui va entraîner un comportement vocal différent. Donc ça, c'est très important. Donc ça permet d'une part d'évaluer l'impact des activités humaines, mais aussi de les estimer, de savoir quelle est leur présence, leur part de la même manière dans la répartition. Et aussi, comme vous avez dit, sur l'ensemble de la faune, l'ensemble des taxons, puisque nous sommes responsables en tant que gestionnaires non pas que des prédateurs supérieurs, mais de l'ensemble de la chaîne trophique et de l'ensemble de l'écosystème, avec potentiellement aussi un impact sur les stocks de poissons, les stocks de proies. Et c'est aussi le cœur de notre métier que de protéger les proies, ou en tout cas l'ensemble de l'écosystème, puisque nous avons aussi les activités humaines à préserver. J'ai parlé de capacité de charge de l'environnement, de l'écosystème en tout cas, puisque quel que soit l'écosystème, quel que soit la biocénose, si c'est de l'herbe de Posidonie, si c'est plutôt des fonds rocheux, on va avoir une capacité de charge de cet écosystème qui sera aussi limitée par la fréquentation de ce site. Je pense aussi à la plongée, je pense aussi à la plaisance, pas que le bruit uniquement lié à le bruit mécanique, mais aussi le bruit d'origine humaine, la présence humaine particulièrement. Évidemment, ça va rejoindre certainement la loi, mais l'idée c'est de créer, donc, grâce à des suivis acoustiques, une sorte de maillage, un réseau qui nous permettrait à terme d'avoir un vrai suivi sur une échelle bien plus large de ces populations de mammifères marins, espèce par espèce, et à terme pouvoir avoir un suivi en temps réel. Ce serait merveilleux, en temps réel, pour connaître les zones, définir des zones qui pourraient être soumises à la gestion, des zones de quiétude, des zones qui sont recensées comme étant des zones d'importance fonctionnelle pour la reproduction ou pour le nourrissage. Et ça, on a besoin d'informations. L'acoustique peut nous apporter ces informations en plus. Et les contraintes que nous devons faire remonter ici, c'est typiquement d'un point de vue vraiment matériel, c'est l'autonomie du matériel déployé, avec un investissement humain et logistique minimal de la part des gestionnaires. Pour que ce soit pérenne et sur le long terme, il nous faut vraiment du matériel. J'ai vu des piles tout à l'heure, on reste encore sur des batteries avec une petite capacité d'enregistrement, même si c'est déjà très bon. L'idée, ce serait d'aller vers quelque chose de plus autonome pour limiter l'intervention des équipes. Et enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est chez nous particulièrement sur Port-Pro et dans Pélagos en général, c'est les activités de la Marine nationale qui peuvent freiner le déploiement d'expériences et limiter nos capacités d'essais, de tests, de méthodologie. Donc là, il faut trouver un moyen de travailler ensemble, quitte à avoir un secret défense dans un premier temps, je ne sais pas, mais on pourra en parler, sur les possibilités de travail avec la marine pour continuer à acquérir de la donnée sous notre aile. Voilà, je vous remercie. On t'a arraché tes dernières capacités vocales. Moi je voulais dire deux bonnes nouvelles peut-être, c'est que il y a le projet européen maritime qui devrait passer. J'ai les infos officieuses. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va peut-être déployer 4 fois plus de Bombix en Corse aussi et en Italie. Donc le modèle initial va être dupliqué. Et c'est maintenant des bouées à 4 hydrophones qu'on utilise, qui
qui permettront non seulement donc d'avoir des passages en azimut, mais aussi des distances de détection. On rêve à ça. Je pense que ce qu'on a fait cet été avec le Suriname montre que c'est possible, du moment qu'on a suffisamment d'autonomie et donc de vélocité d'acquisition. Il faut des hautes fréquences d'échantillonnage pour réduire la taille de l'antenne et régler les contraintes mécaniques. Donc, tout ça, c'est assez pointu, mais je suis très content d'avoir fait l'expérience cet été du Suriname pour montrer qu'avec un peu d'ambition et de volonté, on arrive à résoudre ces contraintes, hein, puisque on a validé des choses cet été qui nous donnent encore. Et on en parlera plus, mais voilà, donc Bombix, c'est un modèle grâce à l'accueil du parc, les autorisations de la Prémar, permet maintenant d'avoir un projet européen qui s'étend en Italie, qui va s'étendre sur le Cap Corse. Et just so you have like a big overview of the project, and here's the two more important work packages that we're going to work on today. So project scale knowledge acquisition, so we need to acquire some data in the whole Caribbean, not from one island on another. And we also need to develop a GNAP imaging strategy. So yeah, just detail. So just do like which method already exists and which one we're going to use, where we put the network, and how we analyze the data. So as I told you, there's like many islands. And each island wants to do something different. So we gather everyone in, I think it was 1 month ago. So Hervé was here, Marion was here too. We've done a meeting and we asked those people, so what is the most important things to do now? What is your priority for you? What, like, and which method you want to use? So everyone in the room, so we were supposing like to have different, opinion. And everyone was agreed to say, okay, we now need a baseline because we got a lot of hurricane, a lot of human impact, and we need to compare them year after year. So we need a baseline which is reproductive and comparable year after year. And for this baseline, for now, we're just going to focus on analyzing species diversity and seasonality in whole Caribbean, not in just one island, just all of it. And if we can, maybe when we distribute the hydrophones or other methods, we would like to focus on human impact. So this is a diversity, so I got two of them. So you can see all the species that we already seen in the Algoa Sanctuary, so just in the French part. As you can see, it's supposed to be 31 species that could be in the Caribbean. For now, in the French West Indies, we have only seen 24 of them, which is those. But we just don't know for the 7 others. Probably they're here, probably they're not. And this is in the French part, in the French island. And in the Caribbean, if you take like a big zoom out, this is basically the island that have the more money. So they have more field work, they have more studies to show this. Other islands, they don't even know if they have dolphin or whales. Some islands just don't care. If you ask them like, which species of whale you have, they say, I don't know, we have whales. Or we just have dolphin, and they don't know which species of dolphin, they just don't know. So maybe that's going to be important for you. So we decide to know for each species, this is the 24 that's present. And I think they group them for maybe cogia, they put the two cogia together. And this is roughly what we've got. So we would like to know if we can differentiate and analyze data based to hydrophones to know if we could have presence out of all the species. As you can see, maybe for the dolphin, it's going to be pretty hard because they're really near together. And I've heard, so I'm not doing acoustic, I'm more a biologist, so I don't know about differentiate the sound. But people told me that it's going to be pretty hard to do the dolphin and separate them. So yeah, for now we just start the project, so we still have some questions. We still don't know which sample grain to use. But we know that we need it to be comparable with previous 2D, and that I'll say this. And it needs to be also comparable with next 2Ds. So we don't know if we should do full time, so every time, like, I don't know what to say.
So if we use full time, we could compare for everything. But if for example, we decide to do half an hour every hour, maybe some other island have done like 5 minutes every 10 minutes. And then it would be pretty hard to compare the results. You also need to be allowing like at least 2 months of recording. So we got our people going out not less than 2 months. We don't know where to put the hydrophones because, as we say, we need to. So we don't have enough hydrophones for every island and to cover all around every island. So maybe some islands don't have hydrophones, or some, or maybe we just do the Caribbean side or not the Atlantic side. Yeah. So basically, I'm here to like more exchange with everyone. So we need biologists and we need physician. Here in the Caribbean Sea, there's less waves and the water is more calm than in the Atlantic side. So you got more whale watching here, and it's more easy to not lose in your ear here on here. So for now, we're thinking it would be more beneficial to put all the hydrophone in the Caribbean Sea. So maybe it poses a problem in ecological question because you don't have all the species which are in the Atlantic side. But at the same time, we need to focus and we don't have enough hydrophone to put all around the island. Yeah, and one of the questions would be, we got Bermuda here. Should we put like many Bermuda or maybe in French Guiana, which is really down, to get all of them? Or should we just like put one and one and then have a lot of them here? So we just don't know for now. This is one of the questions we have to answer. Maybe zoom. And also, this is a zoom, so if you go in Guadeloupe here, there's different satellite area around there. Let's just zoom in with the bathymetry. We got some seamounts, and we think that would be beneficial to put them in the seamount because they're often not too far from the shore, and you still have different bathymetry. So you got the shore species that are gonna pass here, and probably also the deep species because it can be really deep here. And same thing for this space. So you go 141 meters deep. So it's not too hard to put an hydrophone over there with a roll. And you get also deep species and shore species. So this is possible work plan, but we're still not sure about it. So we're thinking maybe for now we should put like one hydrophone to the beginning and put it full time for 1 month so we got enough data to start training detection and classification. And then using a short online platform, maybe we could use different people. So for example, we have the hydrophone in the water during 1 month. And I'm pretty sure you're gonna present some automated classification. So we got some cluster with maybe different species. We send them to specialists over the world with a platform and say, yes, this is a big whale or not, or yes, this is a dolphin or not. And then we use this, if it works, we use them for like maybe 20 hydrophones if we can. And then maybe more. But we got some issues. So for now, we don't have example of every song, and we don't have specialists for every species, and we still need some species for every species. Also, we still need to have a way to vary the efficiency, because we want to know the seasonality of the species, and if we got false positive or false negative, maybe they're gonna say that there's Zephyrus every time there's a dolphin, which could be false, and then you say, oh, there's Zephyrus all year round, which is false. And we don't want this. Yeah, I think this is the main thing. This is the plane, and I need you to criticize this as much as you can. Thank you. Or maybe after. Maybe ask a question to Jenny if he will know some specialist on this species in Caribbean. No, I'm sorry. not for the Caribbean. Maybe for species. Like Xiphius or orca specialist or, I don't know, for a particular species. Yes, I can give you the names of different specialists for different groups of species, but I don't know
anyone working in the Caribbean. So they don't have to work in the Caribbean. Okay, cool. Actually, Odile is a specialist in Zephyrus. Yes. She's a very well-known specialist on this species. Okay, so maybe we can talk together and work together if you're happy to be on the shared platform. And at least we can speak and see what we can do. Cool. All the specialists. Dolphin, whales. And then maybe I'm supposed to wait this afternoon presentation to see how this plan could work. But I also need help from the biology side to see what you think about this. So if you think it would be more beneficial to do Caribbean side and Atlantic side, I'll just focus on the Caribbean side for now. And how do you think we should focus on the edge of the Caribbean or just focus in the middle? In terms of bathymetry, on the east side, is it the same kind of... What would be the attachment of the hydrophone? Which depth can you... It depends. There's seamounts each side. So we can find seamounts like this. Okay, you have seamounts on each side. But there's a seamounts over like... Yeah, but on both sides. Yeah, both sides. Because it will be very different acoustic soundscape. So, Gianni, maybe, what do you think? I think the ecological conditions of the two sides can be completely different. So I think it is important to have a monitoring on both sides. Okay, but do you think, like, the plan for now would be to focus first on the Caribbean Sea? Then if it works, if all the method works, then just put everything on the... How many recorders do you plan to use? We still don't know. For sure we can afford like I think 15 of them, which could cover this at least. But have you already chosen a model? Almost. Okay. Because one of the most widely used now is the Soundtrap made in New Zealand. Okay. That's really really good and cheap. We discussed about the hydrophone with Hervé, and we're probably going to use the C3 just present up here, which is cheaper and better quality hydrophones. So we need it. Yes, now I'm talking about the wool recorder. Yeah. Okay. We have one. You don't have it here, Hervé? No, unfortunately, but we now have tubes. Easy building systems with an autonomy of 1 month and a half. It could be more if we record less. So it comes convenient. So yeah, we just go by price, I think. And so it will be price and we have to cover this to make sure we got the range. Yeah. So I think for now we would like, because it would be really different, and we're afraid that if we got like for example a blue whale in the Atlantic side, it would not be the same sound than a blue whale in the Caribbean side, and it would maybe complicate the analysis. So maybe focus first on Caribbean side, then maybe. And also, it was more because of whale watching. So there's more whale watching here. There is not whale watching this side of the island, so just whale watching here. And the side I've just saw you in Guadeloupe. So this one, this is where all the boats going. So if we put a buoy here, we'll probably have all the whale watching and we can know which company is going when, because they're supposed to record which day they're going out. So probably recall the difference of singing when there's both of whale watching and when there's not. So that was the idea too. Okay. No more question? Oui. Oui.
moi je vais mettre le mien comme vous. J'ai le mien si jamais vous voulez. Moi, je vais vous présenter un peu les initiatives qui sont faites au niveau de la COBAMS. On travaille sur le bruit depuis le début de la COBAMS, mais j'essaie de concentrer cette présentation sur l'acoustique passive et les initiatives qui sont actuellement en cours dans le cadre de la COBAMS. Donc, la COBAMS, c'est un accord intergouvernemental qui découle d'une collaboration entre quatre grandes conventions. La convention de Barcelone qui s'occupe de tout ce qui est en Méditerranée. La convention de Berne pour les espèces du milieu sauvage et du milieu naturel, la CMS pour les espèces migratrices et la convention de Bucarest pour tout ce qui est mer Noire. La concertation de ces quatre grandes conventions a abouti à la signature de l'accord à COBAMS, donc pour la conservation des cétacés en mer Noire, Méditerranée et une petite partie de l'Atlantique en 1996. Et l'accord est rentré en vigueur 5 ans plus tard, donc en 2001. Actuellement, il y a 24 pays qui ont ratifié l'accord, donc il y a 24 pays partis à la COBAMS. Ça veut dire que ces pays-là s'engagent à mettre toutes les actions possibles pour essayer d'atteindre un niveau favorable de conservation des cétacés. Vous pouvez voir là sur la carte, j'ai distingué le sanctuaire Pélagos pour vous montrer que le sanctuaire Pélagos est partie intégrante de la COBAMS et qu'on se base beaucoup sur les résultats qui sortent de Pélagos pour essayer de les exporter dans d'autres zones de la COBAMS. Comme mon collègue, j'ai montré donc, les espèces qu'on a dans l'accord à COBAMS, au niveau de la zone à COBAMS. Donc, des grosses espèces, comme le rorqual et le cachalot, mais également des espèces plus petites, comme les dauphins ou même le marsouin. Une fois que les pays ont ratifié la COBAMS, ils s'engagent à mettre en œuvre donc, un plan de conservation qui est très détaillé et qui fait vraiment partie intégrante de l'accord. Je suis désolée, c'est très institutionnel ma présentation. Mais c'est pour essayer de vous montrer qu'il y a aussi un niveau politique qui intervient à un moment dans la mise en œuvre des mesures. Donc, pour mettre en place ce plan de conservation, les pays sont invités à mettre en œuvre différentes mesures, que ce soit des mesures législatives, notamment en essayant de transposer au niveau national les résolutions qui sont adoptées au sein de la COBAMS, essayer de gérer au mieux les interactions entre les activités humaines et les cétacés, mettre en place des mesures de protection pour les habitats, des activités de recherche, de monitoring, mais également tout ce qui est accroissement des compétences, sensibilisation du public et information. Et une partie importante aussi est la réponse aux situations d'urgence. On a deux types d'approches au sein de la COBAMS. La première approche, c'est une approche par menace pour les cétacés. Donc, c'est très simpliste l'équation qui est là. Mais si les activités humaines et des zones d'importance pour les cétacés, ça crée des menaces le plus du temps pour les cétacés. Le rôle de la COBAMS, c'est essayer d'avoir un maximum de connaissances sur les activités humaines qui sont déployées au sein de la zone de l'accord, et également d'essayer d'avoir un maximum de connaissances sur la distribution des différentes espèces au sein de la zone. Ceci, ça nous permet de pouvoir proposer des outils de gestion les plus appropriés possibles en fonction des menaces, et essayer de concilier au mieux tout ce qui est activité humaine et conservation des cétacés. Le deuxième type d'approche que l'on a au sein de l'accord, c'est une approche par gestion spatiale. Donc c'est
c'est schématisé ici. Vous voyez, si on met des zones d'importance pour les cétacés, que ce soit des zones de reproduction, de nourrissage ou de repos, si on superpose ça avec des activités humaines, ça peut créer des zones de menace, spécifiquement pour les cétacés. Et c'est ce qu'on appelle, nous, au sein de la COBAMS, les habitats critiques pour les cétacés, donc ce qu'on appelle CCH. Une fois que ces CCH sont déterminés, on peut proposer, avec l'aide du comité scientifique de la COBAMS, la mise en œuvre de mesures spécifiques. Donc ça peut être par exemple la création, on peut suggérer la création d'une AMP spécifique pour les cétacés, mais également mettre en place d'autres outils plus spécifiques. Ça, ça se fait surtout en collaboration avec d'autres organisations. Je pense notamment à la CGPM, la Commission des pêches pour la Méditerranée, qui peut mettre en place des zones restrictives pour les pêches, mais aussi par exemple l'OMI, qui peut nous aider pour tout ce qui est trafic maritime en excluant des zones ou en préconisant des réductions de vitesse. Afin d'avoir un maximum de données sur les activités humaines, mais aussi sur les cétacés, il y a l'initiative ACOBAMS qui a été lancée en 2017, donc certains d'entre vous sont déjà au courant, l'ACOBAMS Survey Initiative, qui est en fait le premier recensement à l'échelle du bassin méditerranéen, le premier recensement des cétacés. Alors, cétacés au départ, mais en fait on a combiné avec d'autres espèces, donc les observateurs ont également relevé les gros poissons, les tortues et également les déchets. Donc, je vous montrer là les premiers résultats. C'est vraiment des résultats préliminaires. Les analyses sont en cours d'analyse. Et avant de passer aux résultats, je voulais préciser qu'il y a eu trois types de prospections. Il y a eu des prospections visuelles par avion. Il y a eu aussi des prospections visuelles par bateau. Et les bateaux ont également fait de l'acoustique passive. Donc c'est ces résultats-là que je vais vous montrer. Donc vous voyez en vert le tracé du bateau. Ils ont pu mettre en place, ils ont pu traîner l'hydrophone dans certains endroits. Et on peut recueillir certaines détections. Pour le cachalot, donc pour l'instant, ils ont relevé 152 détections. Au niveau des autres dauphins, ils ont relevé 350 détections. Et ils ont également pu mettre en avant et détecter des activités humaines. Donc vous pouvez voir ici, ils ont distingué des activités de détection pour tout ce qui est sonar militaire et pour ce qui est prospection sismique. Donc une trentaine de détections de sonar militaire et environ 13 prospections sismiques. Et ce qui rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est le nombre impressionnant de détections liées au trafic maritime. Donc ces résultats sont vraiment en cours d'analyse et ils seront disponibles courant 2019, et bien sûr ouvert à tout le monde. Parallèlement à l'ACOBAMS Survey Initiative, le secrétariat d'ACOBAMS est un partenaire du projet QuietMed. Le projet QuietMed, c'est un projet européen qui est coordonné par une organisation espagnole, CTL, et qui vise à améliorer le niveau de cohérence de la mise en œuvre du second cycle de la DCSMM, notamment au niveau de l'indicateur du descripteur 11 qui concerne le bruit. Il y a plusieurs activités, plusieurs objectifs, mais le but c'était vraiment d'essayer de mettre en place le plus possible au niveau méditerranéen donc les indicateurs pour le descripteur 11, donc soit pour le bruit impulsif ou le bruit continu. Nous, notre rôle au sein d'ACOBAMS, ça a été également d'essayer de promouvoir l'impact du bruit au niveau des pays non européens de la zone ACOBAMS. Donc faire le lien entre pays méditerranéens européens et pays méditerranéens non européens. On a eu un workshop il y a 15 jours à Malte et qui visait justement à sensibiliser les experts qui seront après amenés à suivre le bruit et également un workshop de 2 jours pour sensibiliser les politiques à la question du bruit et à l'impact que ça peut avoir sur les mammifères marins. En plus donc, de ces deux initiatives, de l'ACOBAMS Survey Initiative et du projet QuietMed, il y a le comité scientifique de l'ACOBAMS qui nous a demandé de faire un peu un bilan de ce qui existait au niveau de l'ACOBAMS, et plus spécifiquement au niveau des AMP, en tant que suivi d'acoustique passive. C'est vraiment une étude très préliminaire qu'on a dû faire assez rapidement.
Et juste en se basant sur la littérature qu'on avait et les informations qui étaient disponibles sur Internet, on a relevé donc quand même 9 programmes de suivi acoustique au sein des AMP, surtout localisés en France et en Italie. Donc, bien que ce soit une étude préliminaire, ça nous a quand même permis de noter qu'il y avait une utilisation croissante des techniques d'acoustique passive ces dernières années au sein des AMP de la zone ACOBAMS. On pense que c'est lié sans doute aux directives européennes, notamment la DCSMM, et peut-être qu'il y a une meilleure sensibilisation des gestionnaires d'AMP et aussi peut-être une facilité d'accès aux techniques d'acoustique passive. Cependant, il y a le comité scientifique de la COBAMS qui a noté que le potentiel de l'utilisation de l'acoustique passive pour tout ce qui est suivi des cétacés mais également des activités humaines, était encore sous-exploité. Ils ont avancé deux hypothèses, donc le coût peut-être pour s'équiper. Je vois que ce n'est pas forcément le cas quand j'ai entendu des 1000 euros pour avoir un hydrophone. Et peut-être le deuxième frein, c'est l'interprétation qui peut paraître complexe, l'interprétation complexe des données et des résultats par des gestionnaires. Je voulais juste vous dire que le comité scientifique de la COBAMS s'est réuni la semaine dernière. Donc ce que je vous présente là, c'est vraiment c'est tout chaud. Les recommandations étaient écrites la semaine dernière. Ce que préconise du coup le comité scientifique, c'est l'intégration des différents, ça rejoint ce que disait Marion, des différents programmes de surveillance dans un réseau qui pourrait augmenter l'efficacité et le partage des données. Le comité scientifique de la COBAMS a fait 3 recommandations à ce sujet la semaine dernière. Il faut savoir que ces recommandations-là vont ensuite être transposées en résolutions qui vont être adoptées par les pays. Une fois que les pays adoptent ces résolutions-là, ils s'engagent à tout faire pour mettre en œuvre ce qui est préconisé. Donc la première recommandation du comité scientifique, c'est essayer de promouvoir un répertoire régional au niveau de l'ensemble du bassin méditerranéen et pourquoi pas avec la mer Noire, qui regrouperait l'ensemble des programmes utilisant l'acoustique passive dans des zones d'importance pour les cétacés. Et ça permettrait d'avoir donc des informations sur le nombre d'initiatives qui existent, leur emplacement et les objectifs des différents programmes. Savoir si c'est pour un suivi des cétacés ou pour avoir des informations sur les activités humaines. La seconde recommandation qui a été adoptée par le comité scientifique de la COBAMS, c'est l'organisation d'un atelier d'experts pour examiner les différentes techniques d'acoustique passive disponibles et essayer de proposer la meilleure façon de les intégrer au contexte ACOBAMS. Quand je parle du contexte ACOBAMS, il faut bien comprendre, comme je disais, qu'il y a des pays européens, des pays non européens, il y a une situation géopolitique qui n'est pas toujours facile, et pour certains pays, quand on prononce le mot, même hydrophone, c'est complètement rédhibitoire. Donc, on espère que cet atelier qui pourrait se tenir pourrait favoriser la mise en œuvre de programmes de surveillance basés sur l'acoustique passive afin de contribuer au mieux à la conservation des cétacés. Enfin, la dernière recommandation qui a été émise par le comité scientifique, c'est essayer d'entreprendre un projet en intégrant ce qu'on pourrait appeler des données opportunistes d'acoustique passive, notamment ce qui sort de l'ACOBAM Survey Initiative, mais on a aussi la marine grecque qui nous propose ces données d'acoustique. Donc ça serait utiliser ces données-là et pouvoir les superposer à des cartographies qui existent déjà sur le bruit et également des cartographies sur la distribution des cétacés. Ça permettrait pour nous de distinguer des zones d'importance prioritaire et pouvoir essayer de proposer les mesures d'atténuation les plus pertinentes pour les cétacés. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on met en place à ACOBAMS sur l'acoustique passive. Je voulais vous dire qu'on fait beaucoup plus sur le bruit à ACOBAMS. Les premières résolutions ont été adoptées en 2002, mais ça se base surtout sur l'impact du bruit sur les cétacés. L'utilisation de l'acoustique passive, c'est vraiment un sujet récent dans l'ACOBAMS, qui n'est sorti qu'il y a 2 ans. On pense que suite au comité scientifique, on voit que c'est vraiment un sujet très important qui va devenir prioritaire et qui va être inscrit dans le prochain programme de travail de la COBAMS, donc le programme 2020-2022. Et ça va nous permettre de travailler en collaboration avec d'autres organisations internationales,
Je pense notamment à la Convention de Barcelone et à MedPol, qui s'intéresse donc de plus en plus, avec qui on travaille en étroite collaboration, pour mettre en œuvre la DCSMM et la décliner au niveau local, donc dans ce qu'on appelle les CAP. C'est l'approche écosystémique développée par la Convention de Barcelone. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a une date pour le prochain workshop? Alors, tu parles de workshop d'experts? Oui. Ça va, pour que ce soit adopté par les pays, ce sera 2020. Ouais, c'est, à Cobham, c'est très lent. C'est très lent. Mais on avance. Doucement, mais sûrement. On a aussi un groupe de travail conjoint, le Joint Noise Working Group, avec ASCOBAMS, ACOBAMS et la CMS, dont Jani, je pense, est membre, je suis même sûre, et qui travaille sur toutes les questions du bruit, et notamment en étroite collaboration avec le TSG Noise de l'Union Européenne pour la définition d'indicateurs. En mer Noire, qu'est-ce que vous avez comme activité? Alors, en mer Noire, on n'a pas beaucoup d'activités pour l'instant sur le bruit. Mais pour marquer justement le fait qu'il n'y ait pas plus d'activité, on a mis en place une formation pour les observateurs de mammifères marins et les opérateurs d'acoustique passive qui sont déployés lors des protections sismiques. Et la première formation accréditée à Cobalt a eu lieu en Roumanie et on a formé une douzaine de personnes pour devenir, avoir la certification à Cobalt et pouvoir avoir la première formation, une formation en acoustique passive et en observation de cétacés. Mais les pays partenaires sont lesquels sur ce tour? Les pays partenaires, pardon, de quoi? De la COBAMS autour de la mer Noire. Alors, on a tous les pays sauf la Russie en mer Noire. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, la Russie, ça va peut-être venir un jour. Mais la Turquie a ratifié il n'y a pas très longtemps. Ah. Voilà, la Turquie, donc c'est tous les pays roses et puis la COBAMS. Et la Turquie a ratifié seulement en février dernier. Je ne comprends pas la carte si les roses ont signé. Oui. Les roses ont signé et les oranges n'ont pas encore signé. Ou sont pas. Il y a des fautes sur la carte. Pourquoi? Les roses, c'est ceux qui ont signé à Cobams. Ah oui, mais la Crimée. Alors, il y a une petite phrase en dessous qui précise que l'on n'est pas responsable des frontières et des territoires. Oui, d'accord. C'est le LOCLSIG qui ne fait pas encore la frontière de la Crimée. On peut dire la même chose pour Chypre Nord, Chypre Sud et pour les territoires palestiniens. C'est pour ça que vous avez la question tout à l'heure. C'est ouais. Comme ça la chose. Et... On met en petit. On ne zoome pas sur ces zones-là. Okay. Oui, ouais, ouais, on a Chypre Sud, on n'a pas Chypre Nord. Mais bon, après, on met tout Chypre, on ne peut pas. Et donc Israël n'est pas partenaire? Israël n'est pas pays. Il n'est pas un pays parti à la COBAMS. Après, on a des organisations, notamment des ONG locales, qui sont partenaires de la COBAMS. Donc, ils peuvent quand même développer des activités au sein de la COBAMS. Est-ce que vous pouvez servir de relais pour des contacts entre laboratoires français, par exemple, et partenaires à COBAMS? Ah, bien sûr, on le fait beaucoup. On essaye un maximum de faire ça. Le but de la COBAMS, c'est vraiment c'est de développer un réseau, un maximum de... mettre en contact un maximum d'experts pour pouvoir favoriser la mise en place de mesures les plus pertinentes possibles et qui peuvent s'adapter aux différents contextes de la COBAMS. Je sais que vous avez, qu'en fait la COBAMS était partenaire cet été de la mission Sphirda, hein, avec le drone. Alors je pense qu'on a fait une lettre de support, oui. Voilà, mais comment vous avez perçu cette mission et quelle perspective vous y apportez? Alors ça nous intéresse beaucoup parce que du coup l'acoustique passive va prendre de plus en plus d'importance, je pense, au sein de la COBAMS. Et avoir une vue d'ensemble de toutes les techniques qui peuvent exister, et notamment faire une analyse de coûts et résultats, ça nous intéresse pour pouvoir mettre ça en place dans d'autres pays de la COBAMS. Donc c'est pour ça que ce workshop est vraiment très intéressant. Même ce qui a été fait au niveau de Porcro, j'étais pas forcément... Je savais qu'il y avait des choses qui étaient faites, mais après, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser en détail à ce qui est fait et les résultats qui en sortent après. Mais ça reste tout à fait... Quand je vois Marine qui présente, ça reste vraiment transposable à d'autres AMP. Ben, on va continuer. Merci encore. Merci. Je pense que très bien, c'est toi.
Donc, bonjour. Alors, je vais vous présenter le Cyproven et le Sifirna. En fait, c'est le bateau qu'on a fait naviguer cet été avec l'équipe d'Hervé. Donc, dans un premier temps, Cyproven, c'est une société qui est assez récente. J'ai fondé Cyproven en 2014 pour développer des produits de robotique marine. En fait, l'idée, c'est de faire un peu le même scénario que ce qui s'est passé dans les airs. Les drones aériens, maintenant, on voit partout, c'est affecté à tout un tas de types de missions. Et se dire que dans le milieu maritime, la réciproque était possible. Et du coup, développer différents produits basés sur des usages précis et des missions précises. Donc, dans un premier temps, moi j'ai développé un premier projet qui s'appelle le Sphirna, parce que c'est le projet historique de la société, qui est ce bateau. Après, on a développé d'autres produits, soit pour des clients, des produits qu'on a directement vendus, des commandes, entre autres pour Naval Group ou d'autres clients, et aussi développé d'autres produits internes. Qui font maintenant partie d'une autre société dont Cyproven reste partenaire. Donc le Sphirna, il naît d'un cahier des charges assez simple. L'idée, c'était de faire un bateau transocéanique, donc avec une grande capacité, grosse capacité de navigation et de tenue à la mer. Une tonne de charge utile. L'idée, c'était d'avoir la possibilité de mettre une tonne de matériel de mesure et aussi de stockage de données et autres. C'est vrai qu'au départ, on est parti plus sur un principe de surveillance, surveillance maritime, et également que le bateau soit, pour des raisons de coûts de mobilisation et démobilisation, que le bateau soit entièrement démontable et containerisable. Donc quand on a un cahier des charges comme ça, c'est un cahier des charges simple, mais le simple fait parfois basculer dans des choses un petit peu plus complexes, entre autres la containerisation. Si on ne fait pas un bateau, enfin, l'autonomie énergétique fait que le bateau doit être long, et la containerisation fait que le bateau doit être petit, donc compact. Donc quand on construit un bateau, on a à peu près trois choix la plupart du temps, c'est une coque, deux coques, trois coques. Là, on est parti sur deux coques, mais asymétriques. Pourquoi ? Encore une fois, pour cette histoire de containerisation. Alors je précise juste une chose, c'est que Cyproven, nous on fait toute la partie architecture navale, énergie propulsion, production d'énergie, autonomie des bateaux, mais par contre sur la partie charge utile, c'est vraiment pas notre métier, et c'est pour ça que cet été, on était vraiment très heureux de pouvoir faire une première mission opérationnelle avec ce bateau-là pour pouvoir le tester en conditions opérationnelles. Et ça c'est quelque chose de... Je précise ça parce que sur la partie mission, au contraire, on est plutôt des éponges à essayer de trouver des choses à faire, à tester avec ce bateau. Donc, moi, ce que j'en ai dit sur le bateau. Donc voilà, l'opportunité, c'était de tester ce schéma de carène de pirogue polynésienne, qui est un principe qui a été écarté de l'architecture navale pendant plusieurs siècles, plusieurs millénaires, mais ça a permis de connaître tout le Pacifique, de conquérir le Pacifique. Donc c'est des bateaux qui sont très stables, et on a découvert plein de choses. Vu que ça a été très peu exploité, eh bien ça a permis de mettre le doigt dans une brèche et découvrir tout le potentiel en fait de ces bateaux-là. Et entre autres, un potentiel majeur, c'est qu'ils consomment deux fois moins d'énergie qu'un trimaran ou qu'un catamaran de la même taille. Voilà, donc deux fois moins d'énergie. Au départ, ce bateau devait consommer du carburant classique. Et par la suite, on s'est aperçu qu'en fait, le rendre autonome d'un point de vue décisionnel, c'était une chose, mais le rendre autonome d'un point de vue énergétique, dépasser le cahier des charges du transocéanique, mais aller vers l'autonomie énergétique complète, était possible. Voilà. Donc les spécificités du premier bateau, c'est 50 pieds, donc à peu près 17 mètres, donc une tonne de charge utile, il a un moteur de 10 kW. Là actuellement il est téléopéré, on l'opère depuis un autre navire parce que c'est entre des raisons réglementaires, on peut le programmer pour qu'il puisse faire des patterns, parce que ça c'est un système
qui sont natifs à l'autopilote. Sa vitesse d'acquisition de données sur des travaux maritimes classiques, on estime que c'est entre 4 et 5 nœuds, mais le bateau, là cet été on l'a testé entre autres à 10 nœuds avec seulement 6000 watts, on peut monter jusqu'à 12000 watts, donc la vitesse maximale doit être dans les alentours de 15 nœuds, sachant qu'on a encore des progrès à faire sur la carène, parce que la carène elle est calculée pour consommer 500 watts à 5 nœuds. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un sèche-cheveux. Donc c'est très très peu. Voilà. Propulsion électrique. Alors le bon côté de la propulsion électrique, c'est qu'on se dit que ça ne fait pas de bruit. Mais justement, ça c'est quelque chose à voir. Effectivement, ça fait moins de bruit qu'une propulsion classique. Mais est-ce que ces bruits sont vraiment compatibles avec certains types d'acquisition de données? Bon, le bon côté de l'acoustique passive, c'est que la plupart des séquences se font à la dérive, donc là on n'est pas embêté par ce bruit. Quoi qu'il en soit, l'évolution c'est donc de rendre totalement le bateau totalement autonome en énergie par une propulsion vélique, le vent étant une énergie propre et disponible facilement en mer. Donc on utilise à la fois la poussée vélique avec une aile qui sera couvert de panneaux solaires, des éoliennes qui permettent de couvrir les séquences où il y a peu de soleil, par contre beaucoup de vent, pour alimenter la charge utile et puis le matériel de navigation et faire avancer le bateau. Le moteur de propulsion peut également se convertir en hydrogénérateur, donc il produit lui-même de l'énergie à partir du moment où on dépasse une certaine vitesse. Et puis des panneaux solaires. Là, cet été, même si la mission effectivement se fait essentiellement à la dérive, les déplacements du bateau, ce genre de choses, on n'a pas eu à recharger une seule fois le bateau. On n'avait pas de chargeur de toute manière. Tout a été fourni par l'énergie solaire. Donc le bateau a fait une mission sans consommer d'électricité du circuit EDF ou de gasoil. Donc ça c'est l'aspect mobilisation et démobilisation. Donc on le transporte sur une remorque derrière une voiture et à trois personnes on le monte ou on le démonte et on le met à l'eau. C'est assez simple d'usage et l'ergonomie fait qu'on peut facilement rentrer à l'intérieur, placer du matériel et réintégrer les senseurs. Donc les prochaines étapes, c'est de continuer sur le premier drone, le 55, celui que nous avons fait naviguer cet été. Donc, finir véritablement sa boucle énergétique, réussir à corriger différents défauts, entre autres des défauts de carène et de plan de chargement. Parce que là, on est vraiment. Et puis, intégrer aussi les senseurs. On s'est aperçu cet été, par exemple, lors de la première antenne acoustique que nous avions faite, était créer trop de traînées, donc jouer trop sur la capacité justement au bateau de pouvoir durer à la mer en étant autonome en énergie. Donc on a refait une antenne et, pour justement avoir moins d'impact sur la traînée. Donc on corrige tout ça et puis donc on intègre la boucle énergétique complète pour que le bateau soit positif en énergie. C'est très important ça, parce que ça permet à la fois de faire avancer le bateau mais à la fois d'alimenter une charge utile importante. Parce que si vous avez une tonne de charge utile, mais vous avez 40 watts ou 50 watts pour alimenter votre charge utile, ça ne sert à rien. Les charges utiles, plus elles sont conséquentes, plus elles sont gourmandes en énergie. Voilà. Et surtout quand on fait de l'acquisition de données, dans la longue durée, il faut avoir de quoi stocker la donnée. Et donc c'est un mini data center à bord qui demande du refroidissement et beaucoup d'énergie pour pouvoir travailler. Donc l'étape 2, c'est de finir le grand frère, donc une version un peu plus longue, 21 mètres 20, voilà. Donc 70 pieds, qui sera encore plus efficace en énergie, qui pourra charger plus de senseurs. Mais maintenant, les senseurs se miniaturisent tellement que, en gros, le marché se situe plus dans une version plus petite de 12 mètres qui permet d'avoir encore des capacités nautiques intéressantes. On a pu constater entre cet été que le bateau faisait
beaucoup de Z, mais très peu de mouvements de roulis et tangage, donc ce qui est plutôt bien pour l'acquisition de données. Ah oui, c'est ça. J'avais oublié ça parce qu'on l'a rebaptisé le bateau cet été. Enfin, cet été, à la fin de l'été. C'est Autonomous Laboratory Vessel, c'est ce qu'il décrit. C'est en fait, c'est le fait d'avoir un engin autonome qui puisse surveiller et monitorer les surfaces océaniques. Donc, ses principales missions, donc c'est surveillance régalienne, c'est surveillance des trafics, pêche illégale, des choses comme ça. Donc on utilise différents senseurs par rapport à ça, radar, optronique, et la partie acoustique peut être intéressante pour pouvoir connaître si on entend un bateau, on peut en surface ou sous l'eau, c'est toujours intéressant pour faire de l'action de l'état en mer. Donc il y a toute cette partie-là, la partie forcément météo, biologique, acoustique passive, la partie pollution, et c'est là où on voit que par exemple certains senseurs agissent dans plusieurs types de data collectées, typiquement sur la partie surveillance, eh bien, les senseurs d'acoustique peuvent être utilisés, les senseurs d'acoustique peuvent être utilisés sur la partie surveillance, sur la partie pollution et sur la partie bioacoustique. Voilà. Donc, c'est trois types de data avec trois clients potentiels différents, mais qui sont intéressés par la même donnée. Et c'est là où je vais venir au modèle que nous visons, qui est un modèle d'acquisition systématique de données pour certaines en temps réel, pour d'autres plus stocké et analysé par la suite. Donc c'est surveillance et monitoring des océans. Là c'est une petite simulation qui permet de voir qu'avec une centaine de navires autonomes, on peut couvrir, on peut faire une image tous les 48 heures de l'intégralité de la Méditerranée. Voilà. Sur tous les paramètres que j'ai cités avant et sur les différentes typologies de missions, que ce soit surveillance ou monitoring. Donc, pardon. C'est pour la COBAM, ça. Excusez, par rapport au survey initiative, ce qu'on a fait, mettre une centaine de bateaux comme ça, c'est peut-être. Et alors justement, en plus, j'ai une bonne nouvelle. C'est le prix. c'est qu'en plus, en fait, tout l'intérêt d'un dispositif comme ça, c'est qu'il intéresse. C'est que vu qu'on est multisenseur et que même sur un seul senseur, eh bien, on collecte une data qui peut intéresser différents types de clients. Si on prend la donnée acoustique, donc effectivement c'est la défense qui peut être intéressée, c'est les industriels sur des parties études d'impact et aussi inversion de la charge de la preuve, parce que maintenant on est toujours sur et puis la partie scientifique qui elle est environnementale qui elle va vouloir faire du comptage et ça. Si on rajoute à tout cela, donc à tous les senseurs que l'on a déjà répertoriés, sur tous les paramètres biologiques océaniques que l'on veut mesurer et météorologiques, et qu'on fait une interface mer-espace. C'est-à-dire qu'on prend les données spatiales qui sont d'ores et déjà utilisées, collectées. Par exemple, PNCCLS, c'est une agence qui exploite des satellites d'observation. C'est une filiale du CNES. Et donc, les satellites d'observation, c'est des satellites à orbite polaire, donc ils font parfois une image terre-jour. Et donc, ces satellites, pour bien fonctionner, en fait, ils fonctionnent très très bien 29% du temps parce qu'ils sont au-dessus de la Terre, donc c'est simple. 71% du temps, ils sont au-dessus des mers et des océans, donc ça devient beaucoup plus compliqué. Ils ont un niveau de vision qui est plus limité. Donc, le marché, il est entre autres là, c'est le fait de calibrer et compléter la donnée spatiale. Mais la compléter de façon
beaucoup plus forte que ce qui est fait actuellement via des bouées, des profileurs que vous connaissez tous. Et donc, couvrir une demande sur la data et sur la data de biomasse, d'acoustique, enfin encore une fois, je reviens sur l'émission précédente, et que chacun des senseurs puisse profiter à différents acteurs. Voilà. Donc là, voilà, en fait, si on considère que chaque bateau a un rayon de vision d'une dizaine de milles, 48 heures, à une vitesse de navigation de 4 nœuds moyenne, en 48 heures, vous couvrez l'intégralité de la Méditerranée avec 100 bateaux. Voilà. Donc c'est le radar automatique de la mer pour les militaires, par exemple. Donc, tout ce qu'il y a en surface ou sous l'eau, on l'entend ou on le voit. Voilà. Pour les industriels, les pêcheries, ce genre de choses, forcément, en termes de biomasse, c'est très très important. Pour les industriels de transport maritime, connaître en temps réel les courants, ça permet d'économiser du carburant. Enfin, toutes les applications et toutes les datas qui peuvent être vendues à chaque étape aux différentes personnes sont absolument énormes. L'idée, c'est pas de faire naviguer un bateau pour une mission précise, c'est pas intéressant. L'idée, c'est de faire une mission globale et de vendre en multisenseur et de vendre à chaque fois la donnée à un client précis. Voilà. C'est bon. J'ai terminé. Le projet Maritimo dont vous parliez tout à l'heure, c'est lié aussi à ça. Ça sera en mettre plusieurs bateaux en place ou ça va... Alors, malheureusement, quand on a écrit Maritimo, c'était en février, dans les février. Ouais, c'était encore. On se connaissait à peine. Ouais, on se connaissait pas. Février, je crois qu'on s'est vu la première fois. Ça devait être le 15 février. Ouais, t'es venu dans mon bureau en disant ouais. J'arrive, le lendemain t'étais dans mon bureau. Ouais, c'est ça. Et bon, bah, c'était le moment où j'écrivais Maritimo, donc on n'a pas pu construire un Maritimo avec ça. C'est bien dommage. Occasion, donc le Maritimo qui va démarrer normalement c'est uniquement les bouées statiques, mais c'est intéressant de faire tourner un drone autour d'une bouée. Ça permet à la fois de calibrer la bouée et de calibrer le drone, donc ce jeu yo-yo, on essaierait de le faire fonctionner. Et puis ça va pas en opposition, c'est les moyens fixes ne vont pas forcément en opposition avec les moyens mobiles. Oui, mais du coup ça, je savais pas du coup c'était les 7. Parce qu'il faut trouver un projet européen pour développer ça. Ah, exactement. C'est le but, ouais. Là, ce serait de faire un projet vraiment avec des institutionnels. ACOBAM, ce sont Pierre Pélagos, l'Université de Toulon, DGA. Voilà. Et Barcelone, mais pas tout ça, ils sont vachement intéressés. Ouais. Parce qu'avec l'initiative qui est en Méditerranée actuellement, c'est l'écosystème approche, les CAP, et ils veulent vraiment mettre ça en place. Et vraiment dupliquer la directive 4 sur le milieu marin à la Méditerranée. Donc, en essayant de gommer un peu les différences qui existent entre les pays européens et non européens. Donc tous les moyens comme ça, où ça les intéresse. Et puis là, vraiment, il faut bien voir que... moi, je suis ancien marin, j'ai passé pas mal d'années de ma vie en mer à polluer d'un point de vue sonore, parce que je faisais des travaux sous-marins, sismiques, ce genre de choses, et puis des tirs de missiles. Donc, personne. Donc l'année en mer, ça coûte très très cher. À partir du moment où, au lieu de vendre de la journée de mer, on vend simplement la donnée et que les navires sont autonomes. Après, il y a toujours une question de masse critique. Hein. Sur une zone comme la Méditerranée, on sait qu'en dessous de 20 bateaux, et encore ça crée des zones d'ombre énormes, mais en dessous de 20 bateaux, même si on se dit 20 bateaux, on arrive à un nombre d'images tous les mois qui est assez satisfaisant. Ouais. Ça devient très critique. Hein. Voilà. L'idéal, c'est minimum 40 bateaux pour la Méditerranée. Ouais. Et 40 bateaux, ça fait du coup une image toutes les... 40 bateaux, on est une image semaine. Mais on multiplie les zones d'ombre. Ouais. Et après, ça dépend des cinématiques qu'on peut créer par rapport au phénomène météo. Parce que les bateaux évoluent. Et là, c'est un gros boulot d'ailleurs à faire dans l'avenir. C'est toute la programmation des bateaux qui ne peut pas être faite à l'avance.
c'est un maillage, c'est moins grave, pour pouvoir tout le temps être dans les mouvements météo. Ouais. Ouais, non, il y a une petite question par rapport au senseur, parce que j'ai vu que tu parlais de la senseur acoustique pour détecter les pollutions. J'ai pas saisi le lien. Mais les pollutions sonores, en fait. D'accord, ok. Typiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les pollutions liées au trafic maritime, aux travaux sous-marins, d'accord, à la sismique. D'accord. Voilà. Non, parce qu'il y a toutes sortes de capteurs, on peut imaginer, pas il y a l'acoustique, mais il y a le reste, quoi. Parce que, ouais. On peut imaginer effectivement détecter d'autres sources de pollution. Enfin, j'imagine qu'on peut tout installer sur un. Là, on peut faire. On a quatre types de pollution principales. C'est alors au niveau aérien, effectivement, on peut mettre pollution tout ce qui est Bah, je pense à ça aussi, ouais. Parce que là, c'est un fort enjeu dans la directive cadre. Ouais, sur tout ce genre de tout ce qui est tout ce qui est macro déchets. Ou micro déchets. Alors aussi, ouais, mais il y a tout ce qui est pollution des navires au niveau de leur gaz d'échappement. Ah. Ça c'est les NOx. Tout souffre. Hein. Voilà. Il y a, donc ça on peut le faire, c'est un senseur qui est assez simple. Mais là pour l'instant il y a quatre senseurs principaux sur les pollutions. C'est un senseur sur la partie hydrocarbure, un senseur sur la partie plastique, et un senseur sur la partie nucléaire. En fait on a un senseur spécifique qui permet de, ça c'est un de nos partenaires, c'est l'UNARPAX qui le fait, qui permet à la fois de quantifier la teneur en radioactivité de l'eau, mais également de la sourcer, c'est-à-dire pouvoir dire telle particule radioactive. Pour notre ami qui surveille les déchets de Fukushima. Si tu peux traduire, ça m'ira bien. Oui. Et donc les hydrophones pour la partie acoustique, pollution, le bruit anthropique. Est-ce qu'il est envisageable dans mon délire fou de rajouter un drone aérien couplé à cette qui servirait de base, qui soit autonome aussi, puisqu'il reviendrait à la base automatiquement, mais qui puisse prospecter dans un rayon défini, cadré en amont, pour pouvoir détecter éventuellement des pollutions et ou autre chose de façon visuelle et corroborer les senseurs acoustiques ou autres. Alors, c'est intéressant, mais on pourrait, mais il y a mieux. C'est que, et on n'a pas eu le temps de le faire cet été, mais il y a un programme qui s'appelle Booster Workspace, qui permet de faire les utilisations et l'interface entre la partie maritime et la partie espace. Et par exemple, ils ont fait une mission, on aurait pu faire la même chose quasiment cet été, sur le comptage des tortues marines. Voilà. Et là, des moyens bioacoustiques couplés à des moyens espace, vu qu'on peut savoir en faisant la trajectographie à quel moment se trouvent les animaux en surface, eh bien on peut très bien faire du comptage et en fait prendre l'image, sachant que les satellites d'observation, on n'en a pas toujours au-dessus de nos têtes, mais quand même assez régulièrement. Et ça, c'est des images que, idéalement, il faudrait quasiment les deux. C'est un drone aérien, et ça, ce serait tout à fait faisable. On a même envisagé de mettre un drone aérien sur ombilical, donc qui puisse rester longtemps en l'air, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Mais l'espace, c'est certainement beaucoup plus simple. Et déjà, créer un maillage vraiment intéressant. Okay. Et ça a donné d'excellents résultats sur le comptage des tortues. En termes de coût, je suis désolée, j'ai peut-être peu d'infos, mais en termes de location, parce qu'on peut appeler location. Il n'y a pas de location, c'est le prix de la data. C'est le prix de la data. Ouais. Et vous l'avez déjà estimé ou pas du tout? C'est compliqué. C'est compliqué, mais le but c'est de se dire qu'il y a toute une partie, en gros sur toute la partie communauté scientifique et protection de l'environnement, on est dans des modèles économiques plutôt différents de ce qui se faisait à une certaine époque, et la data serait les coûts de la data seraient plus couverts par d'autres parties que ce. Et une autre question sur l'utilisation de la donnée ou la vente de ces données à différentes cibles. Il y a quand même un côté éthique malgré tout derrière sur en tout cas l'encadrement de l'utilisation de ces données. Je pense notamment au stock, sur le suivi des stocks de poissons ou de poissons d'intérêt halieutique.
que la prestation, j'imagine, dans un premier temps, sera excessivement chère, et ce qui finalement limitera un petit peu. Mais il y a les Japonais qui veulent donner l'acoustique. Voilà. Ben, exactement. Voilà. Pour aussi encadrer cet aspect-là sur le devenir de la donnée. Non, bien sûr. Et même le stockage de la donnée. Voilà. Par exemple. Le stockage avec qui, propriétaire de la donnée. Ouais, ouais. Parce que typiquement, il y a encore peu de temps, on ne parlait pas trop de la partie Big Data. Moi, je suis en lien avec Google depuis un certain temps. Mais là, depuis que je parle du Big Data, ils me disent très clairement nos data centers sont 100% ouverts. Mais quid du stockage? Est-ce qu'on stocke chez un opérateur privé, chez un opérateur public? Mais c'est là où, et nous, on n'a pas les capacités de stocker des données. Parce que c'est des volumes de données énormes, et le transfert de données aussi. Voilà. Mais par contre, le CLS ou le CNES, oui, ils ont ces capacités-là. Ouais. Sur le transfert des données en temps réel, c'est intéressant pour éviter les collisions, mais il y a aussi le fait que ça peut être utilisé par des opérateurs whale watching qui vont systématiquement aller sur tous les animaux. Donc là, il y a aussi des questions à se poser. Ouais. Donc ils se payent la donnée. Non, mais Google Earth, par exemple, il y a une partie qui est totalement libre et qui est déjà géniale. Après, il y a toutes les options payantes. Et en fait, les gens qui payent pour les options payantes payent pour tous les utilisateurs que nous sommes. Construire un modèle économique de Big Data, c'est pas très très compliqué. Il faut faire vraiment l'inverse de tout le monde. Faut pas essayer de vendre tout, c'est ce que je veux dire. C'est par exemple, s'il y a des gens sur Facebook, certains ici, voilà, Facebook, on n'est jamais client, enfin on n'est pas client de Facebook, personne n'est client de Facebook, on est le produit. C'est nous le produit de Facebook, on vend nos data. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne Facebook. Donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, toutes les data ne sont pas bonnes à vendre. Voilà. Il y a aussi des data et. Sur un modèle économique comme ça, c'est, à mon avis, c'est au moins 70% des data qui sont forcément données. Voilà. Mises à disposition librement. Alors après, effectivement, les questions du whale-watching, ça se pose. Donc c'est en temps réel. Oui, c'est problématique. Après, est-ce qu'on peut faire de la donnée bioacoustique en temps réel? Ça, j'en suis pas sûr, parce que c'est quand même des volumes à rapatrier qui sont gigantesques et ça coûterait très très cher. Voilà. Et du coup, le propriétaire des données, ce serait qui pour faire les données recueillies? Alors, c'est la personne qui achète. C'est la personne qui achète. Ouais, ouais. Ouais. Après, nous, ce qu'on vend, c'est de la donnée brute. Donc, la donnée brute, après, suivant l'algorithme qu'on met derrière, et suivant aussi le nombre de données qu'on veut derrière. C'est-à-dire que quelqu'un va vouloir que des données de température. Par contre, par rapport à ce qu'il a analysé, s'il a. Des données de température plus, je sais pas, de courantologie, eh bien ça va lui... Ouais, c'est ça va, ça, enfin, c'est la, le côté, passionnant de l'aventure du Big Data, c'est que à confronter des données, on en apprend tous les jours. Et justement, dans ce que vous avez pu déployer cet été, est-ce que vous avez déjà, outre l'acoustique, d'autres senseurs qui ont été déjà un petit peu étudiés sur l'application de chlorophylle A, de, je ne sais pas, la couranto, vous avez fait de la salinité, je ne sais pas du tout ce que vous avez mis dessus, de la conductivité, de l'oxygène, je ne sais pas. Non. D'accord. Encore une fois, nous, on n'est vraiment pas spécialisés sur les senseurs, on est vraiment sur la partie concept, énergie-propulsion, architecture navale et des choses comme ça. Non. Mais le concept fort, là, c'était de se dire... parce que moi, pour l'avoir vécu, quand on a des affréteurs, par exemple, qui veulent faire une campagne d'acquisition de données pour un paramètre bien précis, typiquement la bathymétrie ou la sismique, hein, et qui, pour raison XY, entre autres phénomènes météo, eh bien, ne peuvent pas avoir double ou triple leur coût d'acquisition de données, le fait de leur dire, là, vous avez une solution sûre, vous achetez la donnée, et vous aurez exactement ce que vous avez demandé, parce que vous achetez la donnée, vous achetez un produit fini, vous achetez pas la construction. Voilà. Et l'expédition maritime est tellement aléatoire
entre autres par rapport à des phénomènes météo, que l'idée de vendre de la donnée, c'est... Et puis, il y a aussi le fait que quand on couvre une zone océanique, la plupart du temps on le fait en monosenseur, ou deux ou trois senseurs maximum. Le fait d'être multisenseur permet de, même si on n'a pas le marché, de toute manière pour l'instant, un big data ne se vaut que par la comparaison. Donc une masse critique de nombre de bateaux, premièrement, et puis une durée. Voilà. Du coup, pardon, j'insiste, mais sur l'acquisition de la bathymétrie, du coup, ce serait en acoustique active. Ah oui, alors c'est ça. C'est, par exemple, tout ce qui est détection de biomasse, on ne fait pas de bathymétrie proprement parlée. Enfin, pas de bathymétrie qualifiée, parce que ça ne sert pas. On peut en faire, mais... Non, c'est d'un point de vue éthique pour coupler de l'acquisition de données sur des mammifères marins pour les préserver, mais en même temps en émettant de l'acoustique. C'est pas possible. Non, non. Donc, voilà. Déjà, ça perturberait trop les zéros. Donc, déjà, on a eu le cas cet été avec un tout petit sondeur de plaisance. Donc, de toute manière, il faut séquencer certaines missions. C'est ça. Voilà. On ne peut pas émettre et écouter. Merci. Donc, c'est pareil, il y a des missions qui se font à la dérive, d'autres qui se font... Donc, tout ça se séquence. Et... Ouais. At the end of November, I have to participate at a meeting in Brazil because there is a proposal for a huge offshore wind farm. And they ask me and my colleagues to provide the guidelines for the evaluation of the impact, considering the animals and considering just the noise. And also they are asking information about the equipment they need to monitor before the operations and during the operation of the wind farm. So I present, I have a colleague of me that will present all the parts related with guidelines and legislation, and I present an overview of what they can do or what they should do to monitor the environment before any operation and during the operations to evaluate the real impact that they do. So that could be an option to present your drone. In particular, I think not for monitoring the noise during the operations, but to monitor the area before the operation, to have an overview of the acoustic climate of the area and of the presence of animals. So what I wanted to suggest is to do a preliminary wide area survey just to know what is there, and then to monitor during any phase of the operations. So I ask you some details about... ça dépend des paramètres qu'on veut monitorer sur l'étude d'impact, en fait. Et si c'est sur toute la faune et la flore, entre autres les oiseaux, les mammifères marins, les poissons, mais le faire avant, pendant ou après une opération maritime, quelle que soit la durée, déjà, nous, le type de marché que nous visons pour justement aller vers un projet plus global de surveillance et de monitoring de l'environnement, sachant que les senseurs, par exemple, type optronique, peuvent faire du comptage d'oiseaux. Donc, ça, c'est une partie importante. Donc, ça joue sur la totalité en étude d'impact. Beaucoup de choses, mais le seul facteur limitant qu'on peut avoir sur ce genre de choses, c'est toujours des phénomènes, de gros phénomènes météo qui ne nous permettent pas de rester de durée à la mer, enfin sur une zone précise. Tout le monde. Quoi? Comme je vois. À part les durées aussi. Voilà. Merci Fabien.
rapidement. Alors, je prends la parole pour Marion qui est ici, mais qui a un petit souci aux yeux, donc pas facile à présenter. Donc, elle pourra répondre à vos questions. Et voilà. Le bilan que je suis très heureux de vous présenter, l'opération de cet été, conjointe lancée par Ciproven, conjointe au LIS, au COSMER, à SMIOT, et avec la participation de Gianni sur le bateau, de Yann aussi, qui n'était pas encore chez nous, mais qui est venu une journée, qui a fixé certains éléments vitaux, ou fixed some elements. May I should speak in English for him? Yes, I will try. So I call this Eto Acoustics. Right. So I call this Eto Acoustics. Things I would like to promote is to get behaviors of animals, fauna, using acoustics. Passive acoustics. Okay, this is the one you know now, on Monaco, where we have been welcomed for the kickoff. These are people of Monaco representative, and we thank them for their label. And this is the sonocard we used that will be presented after lunch by Valentin, who just joined us. So it's a 5-channel recorder, high sampling rate, up to 1 megahertz per channel. And we placed that in a case with a PC, because we wanted to check things, but it could have been just a hard disk drive without any PC. We have an MPU, it's a gyroscope accelerometer 3D compass, to get information on the euro pitch roll of the boat, and here are some first installations. We did build a large antenna, well, it was 1 meter large, and as Fabien said, we got trouble due to the drag of this antenna. It was too large for this drone, so anyway, we got first good results at the night of the 26th of July or 28th of July. We got this meeting of dolphins. So here you have the 5 channels that were plugged on the antenna. Detection of dolphin clicks. Here is one, another. On each channel you have these detections. Okay, so there are different hydrophones we wanted to test with different gains. So it was the first recordings, they are not normalized yet. But we see from that we don't have noise from the boat drifting. The boat is drifting, okay, the engine is off, but we could have get much more noise from the boat itself or from reflection on the boat, but we don't have. That was a very nice property, because I was not aware about carbon fiber acoustics, and we are just under the keel, but we don't have diffraction or reflection from the keel, mostly not, and we still can compute accurately the time delay of arrival of each pulse. So the second step, so this was the first 2 weeks, I think, and the second step was to think of a much smaller antenna. So the first antenna was 1.4 meter cube, something how, and we wanted to get to half meter cube. So some brainstorming and some building. And here is the second antenna. Now it's fixed under the keel. You see the 4 hydrophone with a nice profile, the NECA says. And the fifth hydrophone is back at the end of the boat here. Okay, so you have the 4, 1, 2, 3, 4. And the fifth will be there, just in case we need more information, disambiguation of some detections, and to see what we lose
in detections compared to 2 meters deep, and here it's only 20 centimeters deep. So again, this was an experimentation. We wanted to test several things, so instead of putting all hydrophones in the same volume, we wanted to see if we get advantage of large aperture versus small aperture with the four ones. And these are again a zoom on the four hydro. So due to some material constraints and budget constraints, we are, and provider also constraints, we got two spherical hydrophone here and two cylindrical. But anyway, and the 12th of August, we got 2-3 hours of a single sperm whale south of Toulon, south of Sissier. So this is Sissier Cap, and the boat, the Sphena drift during all that time, south to north, and we recorded that time. This visitor, so the five channels here, and the fifth hydrophone, as you see, is a little more noisy, but still have good detection of the sperm whale. Okay? So it was a surprise because this one is only 20 centimeters deep, and there is much more turbulence, hydrodynamic effects. But the boat is so stable and so nicely designed that there is not so much noise from the drift or any noise of water against the structure. And there is no internal noise from the boat itself. So we were very happy of these recordings. And the challenge was to see if we got enough information from the time delays of arrival. So this is a zoom on a click of this animal. And you see the structure P0, P1, P2, which is a common structure, multiple structure of the click of the sperm whale. And you see that the delays between the first four hydrophone will be much smaller than with the five due to the geometric configuration. But even on the first four, we will get enough time delay of arrival information, as we will see. So we sample here at 300 kilohertz each channel. We could have done more, but it was safe to do so due to storage and other constraints, but we will see that's enough. And here is a P0, P1, etc. So remember, we have MPUs, this instrumentation, but we also have a baseline MPU from the drone itself, which is giving the roll, the yaw, and other information. The yaw is here, sorry. So we will use this information to stabilize the drone at each second, something like this. Here is the time delay of arrival for each pair of hydrophones. So these are the hydrophone 1-2 giving the time delay of arrival. Hydrophone 3-1, 4-1, and 5-1. Okay, we have five hydrophones, so we have four time delay of arrival which are independent to each other. And you see some patterns and some symmetric patterns. So actually, we have reflection effect from the surface of the water that are visible at this time delay representation. And you have some false detections of clicks, this one maybe. This is a full dive, and this is a surface of the whale. It is silent during the surface time. And here again. And this is how we dealt with a five hydrophone, due to some effort of Maxence here. We thought it was possible to do most of the filtering on the four hydrophone and use the five hydrophone after only on the detection from the fourth hydrophone. And then doing so, you get a small complexity on the computation. And here is the results with all the dots you detect, all the click you detect
and the one you can remove in yellow that are removed from the usage of the fifth hydrophone. So the fifth hydrophone is giving you a supplementary information and a supplementary observation that allows to remove false detection that are noise from the surface, from other effects. And the purple detection here will be the one we use only for the localization of the wave. So here is a summary of the processing. So we have the four hydrophones that are in the same volume, some detections, some filter alignment, and we add at this level only the fifth hydrophone. So we get even a better alignment and filtering. And then we will process the localization in three dimensions. And we will, on this localization, process angle correction using the information from the yaw, roll, and pitch of the boat. And we smooth those. So up to now, we don't use Kalman or other nice filtering. We just have a road track, but we will see it's already quite good. And here we will have the ICIZ. I will speak later on that. So here are the results. During 2 hours of recordings, we got two full dive, one full dive, and there is also another dive before we process, but for now we concentrate on this dive. And you see the depth of the whale going from 20 meters, 50 meters to -1,250 and going up. These are latitude, longitude of the whale in meter, and these are the interclick interval, so the time space during two clicks of the whale, which is getting smaller as long as the whale is getting deeper. So this was known from the bibliography, but it's nice to see that we can still compute that from a surface mobile vehicle. And these are tortuosities that I will explain later. So in terms of track, this is the university, you are here now. This is Cap Sissier, and these are the tracks we got. The three tracks, from surface to -200, something like that. Then it stops peeping, it gets to the surface. It itself drifts north as a boat, actually. And it's diving again, and getting up and drift, breath, and dive again. Okay, what is very cool, I feel, is the cliff has the same slope than the track of the whale itself. So actually, we show that the whale is swimming along the cliff. This is it again. So we have animations, and the nicest animation I have is here. So from Marion, Maxence, the team effort, and also Laval, Techno Laval, and the CNAM. We have to thank here the CNAM from Laval. We have that. So you will see each dot is a click that has been localized in space. You will hear the click. There is a click noise in this demo. That sound. And we just place the whale from one click to another, okay? So we don't filter more than a small smoothing. Some noise.
for those who are interested, you have noise. But anyway, you see that the click are more and more precise until a certain time where the whale is maybe catching a prey and then stops and dives again during a, and click again and will accelerate until the next catch and a next stop of clicking, etc. And you can see also that at the end or during the last step of the approach to the prey, the whale is doing more turns. So this is called the pursuit curve, which is known as a mathematical object. You see this turn, for example. So this is not, we think this is not an artifact from our computation or observations, but a real change of the whale track, because it's a pursuit of the prey. And as the closer you get to the prey, the more the tortuosity of your track is increasing. The tortuosity is a quantity of movement in a time window. And this is what we show next. So this is when it's surfacing and it will dive again later. So there are a few minutes, 2 hours of that. So we stop there. We'll see the tortuosity, maybe. Why not? Okay. So, sorry. It's bugging. What I wanted to have is a plot of the interval and circuit interval versus depth versus tortuosity with time in color. So each point is a click detected by the Schwerner, and it has various properties. It has a depth, an ICI with its neighbor, and a tortuosity computed left and right to this time window. And this happens at a certain time, which is in color here. So actually you see here some enhanced behavior description we have now at minus 500 meter deep. We see how it evolves the ICI with the tortuosity at different depths. So I think, Jenny, we never see that before. It's quite cool. And this is from a surface vehicle moving with only a 60 centimeter large array, and this is happening at 3 kilometers away from the drone. Remember, the whale is minus 600 meters, 700 meters deep, but it's also 1 kilometer away in longitude and latitude. So we get details of this hunt, and it gives information on the ecosystem itself, because it gives you where the preys are, where the animal is providing attention to the ecosystems to forage. So it may assess where we shall protect some areas, because there are areas where the whale is feeding more than others. It's feeding everywhere, but maybe there are hotspots where it finds more than, and we know that this animal are, despite the big noise and danger of collision they have here in this area, they come anyway to eat, to forage. And if we protect some cliff, some specific areas where we know whales are feeding more than others, we could keep for them the reason why they come again to this area. If we destroy this hotspot of feeding, then they will never come again to this dangerous area. You know? So we think Fiona is
is a very helpful tool for assessing ecosystems, and of course behavior all the way, but more than that. So this is a nice first result. The correlation between the interval interclick and the tortuosity. And again, this is one result we got at 3 kilometers away. So we will have to check and make statistics and so on. But we think it's not an artifact, and it's real. It's a real effect of the whale behavior, of the whale movement and foraging and acoustic emissions. Okay. So just to remember, we did the tracking from the 4 plus the 5. We think that the 5th is maybe not so useful because we could have removed false detection with other means. Anyway, the 4 plus the 5 algorithm we have is real time. We get up to the localization, and then the tortuosity is computing from this position, and we got ICIs from the detections, and we see high correlation between tortuosity and ICI. And I just would like to finish about the monitoring of engines and other noise. So here is the Sphyrna. We were nearly, no, we were not getting into the, I think it's 300 meters far away. Right, Fabien? Yes, il y a 300 mètres. So it's not, there is no risk of collision, but it's 3 meters away. But the perspective is so good. Okay, so we get also noise from the Corsica line. And here are some plots of this 5-channel noise recording from a few meters away. And we think we now can map where the noise is from according to the azimuth of the boat, so we can assess some information on the noise emission for each of these boats, and it could be useful maybe for the company to know where from they make more noise on their boat. Is it on the back or on the border? And we did also this recording with the biggest yacht, biggest ferry, the Symphony of the Sea. It's 9,000 people on board. It's 300 meters long, or maybe 360 meters long. Okay, this is, there is a picture. Jean-Marc said, you said it's here, you remember? yeah, you saw the, I didn't check, but it's here. And all the way we recorded this boat also, which surprisingly was quite quiet. Yes, it's a new boat and with new hydrodynamic design, so this is why. So we thank, of course, the National Park, because we were welcome on Port Crow and we had to replace some material, and so we had some good help from National Park, Pérouse, and also from the Club Nautique de la Marine, and Club Nautique Monaco, Longitude, Mer et Océan, CNRS Madix, Prémar for authorization, and also some connections with la Journave, and the Fondation Albert II, and the Ministry of Transition support. And so we show by that experimentation that we, for the first time, have a 3D tracking from autonomous surface vehicle. We had a survey, the bibliography, and we know that either they got range or azimuth, but not a 3 dimension at once. Even I think the experimentation from Zimmer that we looked at, this 6 hydrophone, I read the report and they get range and azimuth, but not the elevation. So I don't know if they shown a part of their results or if they only get that.
here we have the three, because we think it's a good association of the sampling rate of the SIM card, which is very high, the very good quality of the Swirna in terms of navigation, and good design of the algorithms with this constraint. Of course, we can get information of biodiversity, offshore, and deep sea activities. We can have static survey, just turning around the point of interest, or with long transect for days or weeks due to the autonomy of the drone and detection of other targets. Thank you to CProven for their courage and ambition, and we were very glad to follow you. You see the tortuosity effect. It's very interesting, but the tortuosity is related with the feeding activity. So it is more or less obvious that while searching, it moves more. And it search by scanning the environment, and this means we are not more tortuosity. We are not surprised of these results, but we are surprised to measure it. We look at that because we thought it would be obvious that it would generate such things. But to monitor that at 3 kilometers away, when you think that it's only in the last 30 seconds of the approach that the whale is starting to torture more, and see that. And it would be nice to have also a tracking of an animal just traveling without searching for food. So to have the real demonstration that the tortuosity is strictly related with behavior. So that should be done in another area, because they come mostly here to feed. So. Yes, or maybe more far from the coast. Mm-hmm. When they come, or when they leave, or when they just pass away. Unfortunately, or fortunately, this was the only way we got, in 15 days of effort. Mm-hmm. They were very far southeast this summer. Also, we got some military operations during the survey, so there was other noise. And, you may avoid to be there during this. Which is the maximum range at which you got the detection? For this whale, we get it at 3 kilometers away. But in any case, it was a good detection. Yes. So you may think that the range is... It may be double, I think. And imagine we are only at 2 meters deep. Yeah. And there is this thermocline. Surprising. That's surprising. This thermocline effect should avoid that. The thermocline is a layer of water at different temperature that is a big reflector for sounds. And we may have more... effect from there is effects. The shape of the wave is not perfect. We see that, but in any case, we get the time delay for it. That's enough for the study. We want to localize and detect, and we don't need a perfect wave from the whale. So it's enough to be 2 meters deep to do this job. And this is very convenient because you avoid a lot of logistics, and you can go in any places quickly with a Swirna and do this job. So instead of placing a sonoboy and so on during weeks, so we trust in this model, Fabien, for assessment of biodiversity and of ecosystems in general, because monitoring the well gives us information on the ecosystems in deep sea. I think there is one more point you can improve, and maybe a sixth hydrophone. Sure. With a you asked Valentin. No, what I mean is not close to the surface, but a deep territorial hydrophone to go much below the thermocline,
to have more chance or yeah. have chance to detect zephyrs. Yes, and to get. So you need to go down at 100 meters. Ah, yeah. Or more. Maybe more if you can. No, but the drag will be. Yes, but just with a very thin. Yeah, sure. Too much. We have to check. It's a challenge and check that and 50 meter cable is possible, I think. Okay. With us. 50 is enough. 50 is enough and just in drag we have 2 knots maximum, I think. Or maybe you can have a small winch to go up and down yeah, where when you can. And then you get much more detail. Okay. So we can discuss more at lunch time, where you are all welcome to the La Parenthèse. It is a 5 minute walk. Going up on this path and then getting down after the door, but we may all go together so we don't get lost.